Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre en ligne organisée par la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau cycle de rencontres intitulé Dernières nouvelles de la préhistoire, consacré à l'actualité de la recherche en préhistoire et en paléoanthropologie. Il s'agit, à travers les trois séances, de faire l'état de nos connaissances et des découvertes récentes sur nos origines et sur les sociétés préhistoriques. Ce cycle a été conçu en étroite collaboration avec Claudine Cohen, qui en est la conseillère scientifique. La séance d'aujourd'hui, Qui sont les nouveaux hommes fossiles, est consacrée à la paléoanthropologie et à la paléogénétique. Il sera donc question de nos origines, des notions d'hominines, de famille humaine et de ce que la recherche scientifique peut actuellement en dire ou éventuellement de ce qu'elle ne peut pas encore en dire. Pour cela, je suis très heureux d'accueillir les paléoanthropologues José Braga et Jean-Jacques Hublin et la paléogénéticienne Céline Bon qui s'entretiendront avec Claudine Cohen. Bonjour Claudine Cohen. Bonjour Sébastien, merci pour cette présentation. Alors, merci à tous qui êtes là, invisibles mais néanmoins présents. Et nous allons aujourd'hui parler donc de paléoanthropologie, c'est-à-dire des origines et de l'évolution humaine considérées d'un point de vue anatomique, physiologique, etc. Depuis leur découverte au milieu du XIXe siècle, les mondes de la préhistoire humaine nous fascinent. Les hommes et les femmes préhistoriques ont été célébrés, chantés, racontés. Qu'il s'agisse de l'homme de Néandertal, le premier fossile humain découvert en Allemagne en 1856, qu'il s'agisse de l'homme de Cro-Magnon, exhumé en France en 1868, ou encore de Lucie, découverts dans l'Afar éthiopien en 1974, ils ont été de véritables stars de leur temps et encore ils le restent au nôtre. Aujourd'hui, de nouvelles découvertes de fossiles humains sont annoncées à un rythme soutenu et continuent de fasciner le public. Ce sont des découvertes de terrain, parfois dans des lieux fort éloignés de nos contrées, comme celle de nouvelles formes. En Afrique du Sud, on connaît l'histoire de Littlefoot, ce fossile découvert dont un pied a été découvert en 1996 et qui petit à petit a été dégagé jusqu'en 2014 pour révéler le squelette le plus complet d'Australopithèque connu aujourd'hui. On connaît aussi en Afrique du Sud Homo naledi, qui est représenté par plus de 1500 fragments de fossiles et un certain nombre d'individus. Plus au nord, au Maroc, le site de Djebel Irhoud a livré les plus anciens Homo sapiens connus, vieux de plus de 300 000 ans. Et encore dans d'autres régions du monde, en Indonésie, des formes étranges, comme l'homme de Flores, découvert en 2003, qui est un nain qui ressemble un peu à des Homo erectus, mais enfin qui a sa propre personnalité, ou encore l'homme de Luçon, découvert en 2019, qui a des phalanges recourbées, un peu étranges, et qui a vécu entre 30 000 et 40 000 ans avant le présent. Il s'agit donc de découvertes de terrain formidables et très intéressantes, mais il s'agit aussi de découvertes de laboratoire. Depuis quelques décennies, la paléogénétique et l'étude de l'ADN ancien ont ouvert un champ immense dans les recherches sur l'évolution humaine. Nous assistons aujourd'hui à une véritable révolution en ce domaine grâce à l'introduction de ces méthodes qui ont permis l'étude des parentés entre les hommes et les grands singes, l'étude même du génome des hominines anciens, la cartographie de ce génome, la mise en lumière d'hybridation entre plusieurs espèces, plusieurs formes humaines, et même la mise à jour de formes nouvelles sorties tout droit des éprouvettes des biologistes, comme les Dénisoviens. Ces apports, en peu de temps, ont déjà profondément renouvelé l'approche de la connaissance des mondes de la préhistoire. Donc, pour aborder toutes ces questions, pour nous parler de ces nouveaux hommes fossiles et de l'impact de ces découvertes sur notre connaissance de nos origines et de notre évolution, nous avons avec nous trois chercheurs qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de participer à cette table ronde et qui sont parmi les acteurs les mieux qualifiés de la science mondiale aujourd'hui. C'est l'historienne des sciences qui parle. Je dirais que les travaux de ces chercheurs français prolongent avec brio la grande école française de paléontologie humaine
qui s'est illustré depuis les origines de la discipline. Et donc, nous entendrons successivement José Braga, paléanthropologue, professeur des universités à l'université Paul Sabatier à Toulouse, Jean-Jacques Hublin, paléanthropologue, professeur au Collège de France, mais qui est aussi directeur du département de l'évolution de l'homme à l'Institut Max Planck d'anthropologie de Leipzig, et Céline Bon, paléogénéticienne, maîtresse de conférences au Muséum d'histoire naturelle. Alors, avec José Braga, nous allons commencer cette exploration de l'histoire de l'évolution humaine par le commencement, c'est-à-dire par les origines de la famille humaine en Afrique. L'Afrique du Sud est depuis très longtemps un haut lieu de découverte fondamentale en paléanthropologie. C'est là que, dès les premières décennies du XXe siècle, les premiers australopithèques ont été découverts. À Taong, au pied de la haute falaise du Kalahari, a été trouvé, en 1925, le crâne extraordinaire d'un enfant dont le cerveau lui-même était fossilisé et présent sur le fossile. D'autres sites, comme Makapansgats, Swartkrans, Sterkfontein, ont aussi apporté tout un butin extraordinaire de fossiles. L'Afrique du Sud est donc, a été un épicentre de la paléanthropologie mondiale et elle le reste encore aujourd'hui. José Braga, vous dirigez la mission archéologique de Krom Dray, donc à Gauteng, au nord de Johannesburg. Vous êtes non seulement professeur à l'université Paul Sabatier, mais vous êtes aussi, je crois, professeur honoraire à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud, dans ce département d'anthropologie si prestigieux qui a tellement contribué aux recherches en paléanthropologie. Pouvez-vous nous présenter ces recherches et ces découvertes pour nous dire ce qu'elles apportent à notre vision de l'évolution humaine aux temps les plus reculés de son histoire? Bonsoir Claudine, chers amis, mesdames, messieurs, avec grand plaisir. Je vais vous emmener dans quelques instants donc en Afrique du Sud pour faire le point sur cette grande question qui nous anime tous et qui est celle évidemment de notre origine commune. Alors, nous allons commencer ce voyage, ce court voyage d'une vingtaine de minutes, par un constat très simple, qui est celui du succès absolument vertigineux d'un point de vue démographique de l'espèce à laquelle nous appartenons tous. Cette espèce, c'est bien entendu, vous la connaissez, l'espèce Homo sapiens, qui aujourd'hui compte plusieurs milliards d'individus sur la Terre, mais qui n'a pas toujours compté un nombre aussi important d'individus par le passé. Lorsque cette espèce naît en Afrique, il y a finalement, pour un paléanthropologue qui s'intéresse qui compte le temps en millions d'années, il y a finalement relativement peu de temps, puisque cette espèce, on l'entendra tout à l'heure avec Jean-Jacques Hublin, eh bien cette espèce n'a que quelques centaines de milliers d'années d'existence. Nous allons partir en Afrique du Sud pour nous intéresser à des formes humaines encore plus anciennes que celles qui concernent donc l'homme moderne, c'est-à-dire Homo sapiens, puisque nous allons partir à l'origine, à la rencontre des tout premiers représentants du genre auquel nous appartenons, nous les humains. Ce genre, c'est le genre Homo. Donc nous sommes des sapiens, mais nous appartenons à une famille encore plus grande que celle de notre espèce. Et cette espèce, c'est un ensemble, on parle de genre en paléontologie et en zoologie d'une manière générale, un ensemble d'espèces qui partagent toutes un ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, aujourd'hui, les données paléoanthropologiques nous apprennent qu'il a probablement vu le jour sur le continent africain aux alentours de 2 millions et demi d'années, c'est-à-dire 25 000 siècles. Des chiffres qui, si on cherche à établir une sorte d'échelle, sont à peu près 10 fois plus anciens que ceux qui concernent l'origine de l'espèce sapiens. Donc nous sommes en Afrique, il y a 2 millions et demi d'années, à l'origine de notre genre. Et lorsqu'on s'intéresse à cette question, l'origine du genre, il y a 2,5 millions d'années, les tout premiers humains, finalement, eh bien, on échappe aux limites des datations du carbone 14, et on échappe encore, pour l'instant, en tout cas, à la
possibilité d'aller extraire du matériel génétique pour que nos amis paléogénomiciens puissent éventuellement nous raconter l'histoire de l'origine du genre. Et donc l'exercice s'avère être un peu plus difficile que lorsqu'on a la possibilité peut-être d'accéder à du matériel génétique ou de dater plus facilement, entre guillemets, du matériel avec le radiocarbone. Donc, nous allons partir en Afrique du Sud avec la diapositive suivante pour voir en fait que ces sites sud-africains. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, nous allons partir en Afrique du Sud, donc un terrain que je fréquente d'une certaine manière depuis maintenant presque 3 décennies, où nous avons la chance de disposer de sites archéologiques extrêmement bien préservés, qui se présentent pour la plupart d'entre eux sous la forme de grottes plus ou moins effacées par l'érosion qui, depuis des millions d'années, eh bien, peu à peu, ces grottes étaient érodées par le lessivage des pluies et par l'altération chimique des grottes. Donc, vous avez ici sous les yeux l'une des grottes sud-africaines qui livre encore aujourd'hui et qui livre depuis d'ailleurs les années 1930 d'assez nombreux vestiges de nos ancêtres, mais aussi de formes fossiles qui sont en fait des cousins, les tout derniers cousins de l'humanité. Et j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de ces derniers cousins de l'humanité. Alors, lorsque nous sommes en Afrique du Sud, eh bien, nous avons affaire à des sites, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très nombreux. Et ces sites ont fonctionné comme des pièges qui ont enregistré notre histoire sur parfois plusieurs centaines de milliers d'années. Et ces sites renferment encore aujourd'hui donc des vestiges qui sont nombreux et qui se trouvent étagés aussi dans le temps, dans des strates qui ont toutes des âges successifs. Et ces strates fonctionnent un peu comme un grand livre ouvert où l'on va aller prélever des fossiles pour s'intéresser qui a l'origine du genre Homo, qui à l'origine de l'espèce sapiens, puisque en Afrique du Sud, au-delà de l'origine du genre Homo, des spécialistes travaillent également sur l'origine de l'espèce sapiens à laquelle ce genre appartient. Alors nous allons voir sur la diapositive suivante maintenant que ces tout premiers humains que j'évoque ici partagent donc un ancêtre commun avec une autre forme dominée, et cette autre forme dominée, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les paranthropes. Les paranthropes ont d'ailleurs, au passage, été découverts pour la première fois sur le site de Cromdray, dont vous avez vu tout à l'heure une vidéo. Ces paranthropes, connus depuis le milieu ou la fin même des années 1930, font encore aujourd'hui couler beaucoup d'encre parce que leur origine en Afrique du Sud, tout particulièrement, est encore assez énigmatique, comme l'est d'ailleurs l'origine du genre Homo. Puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous ne savons pas encore très bien à quelle période appartiennent les tout premiers représentants de ces deux genres, qui sont deux genres cousins. C'est-à-dire que, encore une fois, les paranthropes sont les plus proches parents de l'humanité. On a coutume de dire, et c'est tout à fait exact, que les chimpanzés sont nos plus proches parents vivants. Mais si on s'intéresse maintenant au registre fossile, eh bien, on sait que le genre qui nous est le plus proche, à nous, les humains, le genre Homo, c'est ce genre Paranthropus. Et donc, on peut penser que si on tente de remonter cet arbre évolutif jusqu'à la souche commune qui a donné les Paranthropes et les humains, et cette souche commune, c'est probablement une espèce, une forme d'Australopithèque, eh bien, en remontant vers cette souche commune entre ces deux cousins, eh bien, on peut tenter alors de résoudre la question de savoir quelles sont les grandes singularités de l'une et l'autre de ces deux formes, c'est-à-dire Homo d'une part et Paranthropus de l'autre. Alors, lorsque nous sommes dans les paysages sud-africains, mais c'est le cas également pour nos collègues qui travaillent cette fois sur des sites en Afrique de l'Est, eh bien, on est forcé de constater que les deux genres qui sont représentés ici ne sont pas du tout présents dans les documents et dans les sites archéologiques de la même manière, avec la même fréquence, puisque, par exemple, en Afrique du Sud, lorsqu'on a la chance de fouiller un site à Omininé, lorsqu'on trouve des paranthropes, on en trouve beaucoup plus que des humains très anciens.
l'ordre de grandeur pour ce qui est de la proportion de l'un, le paranthrope, et de l'autre, l'humain, est de l'ordre de 95,5%. On a donc un très fort déséquilibre au bénéfice des paranthropes, avec très très peu, finalement, dans les couches archéologiques qui nous intéressent, de tout premier représentant du genre homo. Et on peut donc se poser la question de savoir à quoi est dû finalement ce déséquilibre, hein, cette asymétrie dans la représentation à la fois des paranthropes et des homos dans ces sites archéologiques, puisque, et ça c'est très important également, lorsqu'on trouve l'un, on trouve quasi systématiquement l'autre dans les sites africains, mais encore une fois avec ces proportions qui sont particulièrement déséquilibrées. La question qui se pose aussi pour ces humains et ces paranthropes très anciens, et celle de savoir où sont les frontières, où placer les frontières entre ces deux genres. Et puis aussi, la dernière question qui se pose, est celle de savoir si, avec les premiers représentants du genre homo, nous avons déjà des singularités qui se seraient d'une certaine manière surexprimées par la suite avec notre espèce sapiens. Et ces originalités, aujourd'hui, beaucoup de collègues pensent qu'elles pourraient avoir beaucoup à faire, notamment avec ce que l'on appelle les traits d'histoire de vie, c'est-à-dire la manière dont on se développe pour faire des enfants et pour essayer de faire multiplier les populations au fil des générations de manière à ce que l'espèce ou le genre connaisse un succès évolutif. Or, on sait que les paranthropes, si nous, les humains, nous avons continué notre route évolutive jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les paranthropes, eux, se sont éteints il y a environ 1 million d'années. Donc, ces derniers cousins de l'humanité, eux, ont disparu il y a 1 million d'années. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, depuis quelques mois seulement, eh bien, on commence à identifier, en tout cas dans les publications scientifiques, des vestiges de paranthropes de plus en plus anciens, qui sont plus vieux que 2 millions d'années, et qui, peu à peu, donc, se rapprochent de cette fameuse divergence entre les deux genres, il y a peut-être 2,5 à 2,7 millions d'années. Alors, jusqu'à présent, on va regarder ça sur la diapositive suivante. Jusqu'à présent, lorsqu'on regardait l'arbre de notre évolution, plus exactement ici, la dispersion des différents genres, donc le genre humain en bleu, le genre des paranthropes en vert ici, et puis leurs illustres ancêtres, les Australopithèques, dont Lucie et Littlefoot, comme le disait tout à l'heure Madame Cohen, sont deux représentants iconiques. Eh bien, quand on regarde cette dispersion dans le temps d'Homo et de Paranthropus, on constate que la période charnière, la période un peu mystérieuse à laquelle on commence à voir les tout premiers représentants de ces deux genres, elle se situe entre 2 et 2,5 millions d'années avec des formes transitionnelles des Australopithèques vers le genre Homo, peut-être dès 2,5-2,7 millions d'années, et de même des formes qui évoquent déjà grandement les paranthropes, mais qui sont encore très primitives, qui ressemblent encore beaucoup à des Australopithèques à la même date. Donc, on constate aujourd'hui que ces deux formes cousines, eh bien, apparaissent en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est aux alentours de 2,5 millions d'années, très probablement, comme l'a suggéré le premier Yves Coppens il y a maintenant plus d'une cinquantaine d'années, très probablement à l'occasion d'un changement climatique qui survient au même moment. Donc, on aurait ici une coïncidence entre l'apparition des premiers humains et des premiers paranthropes il y a 2,5 millions d'années sur le continent africain. Alors, on a longtemps donné au cerveau une place qu'il mérite, bien sûr, dans notre évolution, mais on réalise de plus en plus aujourd'hui également que les contraintes énergétiques qui font grandir le cerveau, mais aussi les stratégies de reproduction qui font qu'on élève plus ou moins longtemps des petits qui se développent plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, sont elles aussi ces contraintes essentielles pour comprendre les mécanismes de notre évolution. Et là encore, lorsqu'on s'intéresse aux paranthropes et aux tout premiers humains, eh bien, on commence aujourd'hui avec des techniques. Tout à l'heure, on a abordé l'aller-retour entre le terrain et le laboratoire constant que les chercheurs doivent faire pour tenter de répondre aux interrogations qui nous animent autour de l'évolution humaine. Eh bien, de plus en plus au laboratoire, lorsque les fossiles de paranthropes très anciens ou d'humains très anciens sont analysés avec des techniques modernes de géochimie, eh bien, on commence à aborder ces questions
des traits d'histoire de vie et de l'enfance plus ou moins allongée ou plus ou moins raccourcie des humains et des paranthropes, les uns par rapport aux autres, eh bien on commence par exemple aujourd'hui à pressentir que les premiers humains avaient une période de sevrage qui devait être plus rallongée que celle des paranthropes, qui eux, au contraire, devaient être sevrés très tôt au cours de leur vie. Ça, ce sont des résultats qui ont été obtenus il y a quelques mois seulement, et qui tendent à nous faire penser que finalement, avec les paranthropes et les premiers humains, on a affaire à deux formes cousines. L'une, celle des paranthropes, qui avait tendance à adopter une stratégie plutôt vers la production de nombreux enfants se développant très rapidement et avec peut-être une durée de vie plus courte, et une autre stratégie adaptative avec nos ancêtres, les premiers humains, qui eux avaient plus tendance à développer des petits sur des périodes plus longues, moins nombreux, et probablement également un développement beaucoup plus lent, une enfance prolongée par rapport à celle de leurs cousins. Et il est fort possible que cette différence de stratégie évolutive ait conduit au succès de l'un, l'humain, et à la disparition de l'autre, le paranthrope. Alors, on a vu tout à l'heure que l'Afrique du Sud nous permettait d'aborder la question de l'origine de notre genre. Venons-en maintenant, très rapidement, à la question de l'origine de notre espèce, pour faire la transition, d'une certaine manière, avec la présentation suivante. Donc, nous allons passer à la diapositive suivante. Alors, j'ai également la chance de travailler sur des vestiges fossiles très importants découverts sur un site sud-africain ô combien fascinant. Ce site, c'est celui de Clasiz en Afrique du Sud, où des vestiges humains très anciens ont été découverts, mais eux, ces vestiges humains sont 20 fois plus récents que ceux que j'évoquais il y a quelques instants. Nous ne sommes plus il y a 2 millions d'années, mais cette fois, il y a seulement, entre guillemets, 100 000 ans. Au sud de l'Afrique du Sud, dans des niveaux archéologiques qui se situent dans cette grotte dont vous percevez l'ouverture là-bas, tout à fait au fond, et dans ce site sud-africain de Clasiz River Mounds, eh bien, les techniques modernes de la microtomographie notamment nous permettent d'aller désormais fouiller à l'intérieur des fossiles pour révéler des structures anatomiques qui jusqu'à présent étaient inaccessibles à l'œil et nous permettent aujourd'hui de découvrir des différences morphologiques entre des fossiles qui, jusqu'alors, avaient été simplement pressentis par l'œil de l'expert, notamment au niveau de mâchoire inférieure de ces humains très, très anciens. Et donc, nous pensons que dès 100 000 ans, en Afrique du Sud, avec ces premiers hommes modernes, notamment ceux de Clasiz, eh bien, nous avons probablement affaire à des populations humaines qui étaient plutôt hétérogènes, dont la morphologie, en tout cas, semble dépasser celle que l'on observe sur des sites sud-africains plus récents au cours et qui scandent, hein, qui jalonnent l'évolution humaine de ces 10 à 20 derniers milliers d'années. Donc j'en viens maintenant à l'une des toutes dernières diapositives de ma présentation pour vous présenter des fossiles extraordinaires qui ont été exhumés il y a encore peu de temps. Hein. Ce sont ceux de l'espèce Homo naledi, présente en Afrique du Sud, donc pendant cette période de temps située entre environ 330 000 ans et 230 000 ans. Nous sommes donc ici face à des vestiges qui ne sont pas ceux de représentants de notre espèce, l'homme moderne, mais qui manifestement, par bien des aspects de leur anatomie, sont bien plus archaïques. Alors, ce qui est assez intéressant avec Homo naledi, c'est qu'on a affaire à une mosaïque de caractères qui sont des caractères à la fois modernes, qui évoquent l'homme actuel, mais aussi des caractères extrêmement primitifs qui parfois évoquent la morphologie et l'anatomie des australopithèques. Un seul caractère peut être, je peux en évoquer seulement un ici pour bien fixer le diagnostic qui est fait à propos de Naledi aujourd'hui. Ce caractère, c'est celui de la taille du cerveau. Hein, vous le savez, quand on s'intéresse à la taille du cerveau, eh bien, on peut mesurer cette taille du cerveau, on peut observer la morphologie du cerveau si les documents anatomiques sont suffisamment bien conservés pour nous donner une idée des proportions, notamment des différentes régions cérébrales ou du développement relatif de ces différentes régions. Mais on peut également s'intéresser à la taille du cerveau en proportion de la taille du corps, puisque, bien sûr, lorsqu'on compare des tailles cérébrales d'organismes de tailles corporelles différentes,
eh bien, on est obligé de réaliser une petite opération qui consiste à tenir compte des différences de taille corporelle pour comparer les tailles cérébrales. Or, lorsqu'on s'intéresse à Nalini, on constate avec surprise que à la fois sa taille cérébrale absolue et sa taille cérébrale relative sont toutes les deux, ces deux tailles, assez comparables à celles que l'on observe, non pas chez des représentants humains plus anciens, comme ceux que l'on connaît dès 2 millions d'années, vous avez entendu parler évidemment d'Homo erectus ou d'Homo habilis. Cette taille cérébrale chez le Nalini, qui pourtant est bien plus récente, cette taille cérébrale est équivalente à celle de l'iconique Lucie, qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui elle a 3,2 millions d'années. On a donc affaire ici à une espèce humaine, sensiblement contemporaine des tout premiers humains modernes d'Afrique australe, je pense en particulier au crâne de Florisbad, et puis évidemment, bien sûr, Jean-Jacques vous parlera tout à l'heure de ses découvertes marocaines. Mais on a ici donc affaire à une espèce humaine qui présente des caractéristiques extrêmement primitives, notamment en ce qui concerne la taille de son cerveau et la taille relative de son cerveau. Donc la question qui se pose ici, c'est celle de la possible contemporanéité entre deux formes humaines, l'une très primitive, notamment par la morphologie de son cerveau, et l'autre bien plus moderne, puisque cette deuxième espèce, c'est la nôtre, c'est Homo sapiens. Donc je laisse la parole à Jean-Jacques, et je vous remercie encore infiniment pour cette invitation. Merci José Braga. Donc, votre présentation pose toutes sortes de questions que nous pourrons soulever à la suite des trois conférences. Et maintenant, Jean-Jacques prend le relais. Alors, je vais donc présenter Jean-Jacques Hublin, qui est paléoanthropologue, qui a fait une grande partie, comme je le disais tout à l'heure, de sa carrière comme directeur du département évolution de l'homme de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, aux côtés du généticien Svante Paabo. Et on sait que ce laboratoire a, depuis plusieurs années, et même plusieurs dizaines d'années, ouvert tout un champ de recherche tout à fait extraordinaire au confluent de la paléanthropologie et de la paléobiologie moléculaire. Jean-Jacques Hublin a été longtemps, depuis 2014, professeur invité à la chaire internationale du Collège de France, et il vient d'être élu professeur à part entière donc, au Collège de France. Et nous avons tous pu suivre ses cours, y compris sur le site du Collège, qui diffuse de façon tout à fait heureuse toutes ces conférences remarquables. Donc, Jean-Jacques Hublin est spécialiste de l'évolution humaine et particulièrement des Néandertaliens et de l'évolution d'Homo sapiens. Il est aussi un homme de terrain qui a fouillé notamment donc le site de Djebel Irhoud au Maroc, qui a livré en 2017 les plus anciens représentants connus aujourd'hui de notre espèce Homo sapiens. Il a aussi fouillé plus récemment à Bachokiro en Bulgarie et il y a fait des découvertes majeures qui ont changé notre regard sur l'histoire de notre espèce, Homo sapiens, et sur ses rapports avec les Néandertaliens. Donc, j'imagine que c'est de cela que Jean-Jacques Hublin va nous parler. Il est donc particulièrement qualifié pour nous parler des progrès accomplis au cours des dernières décennies dans la compréhension de l'origine africaine de notre espèce, Homo sapiens, et de sa dispersion en Eurasie. Merci Claudine pour cette introduction et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Je vais donc prolonger la présentation de José Braga en vous parlant plus particulièrement de la fin de l'histoire des hominines, enfin la partie la plus récente, et singulièrement donc de l'émergence de notre espèce. Si on remonte dans le passé, et là vous avez un arbre phylogénétique de ce qui se passe au cours, disons, du dernier million d'années, vous voyez que, contrairement à l'image qu'on a longtemps eue de l'évolution humaine, c'est-à-dire une espèce de marche triomphale du progrès biologique et technique vers l'homme que l'on appelle moderne, bien, en réalité, l'évolution humaine, même très récemment, c'est un buisson assez compliqué,
avec de nombreux groupes qui coexistent non seulement sur la planète, dans différents continents, mais parfois dans les mêmes régions géographiques. Et on vient d'évoquer le cas d'Homo naledi qui a existé en Afrique, alors que sur ce continent, nous savons que nous avons des formes humaines, en particulier des Homo sapiens anciens, qui existaient à la même époque. Parce qu'on, quand on regarde ce buisson, on remarque tout de suite que, en fait, il n'y a qu'une seule de ces barres qui représente les espèces. Alors, on peut discuter, peut-être qu'on aura le temps de le faire, sur le statut de ces espèces, est-ce que ce sont de véritables espèces ou pas. Donc, il y a une seule de ces barres qui arrive jusqu'en haut du cadre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur Terre, j'allais dire heureusement, il n'existe qu'une seule espèce humaine qui est très homogène et qui a des origines, enfin toutes les populations actuelles ont des origines communes récentes, mais encore une fois, il n'y a pas très longtemps, il y avait sur Terre des Denisoviens, des hommes de Néandertal, des Homo erectus, des Homo naledi, ces petites formes qui peuplent les îles au large de l'Asie comme Flores. Donc une situation très très compliquée. Alors évidemment, une des questions qui, si je peux dire, taraude les paléoanthropologues, c'est pourquoi notre espèce a connu un tel succès évolutif. Donc notre espèce qui est apparue en Afrique, à un moment donné de son évolution, s'est répandue hors d'Afrique et a remplacer toute cette variété de formes que je viens de vous montrer à l'instant. Et surtout, elle a colonisé des milieux qui, jusqu'à présent, n'étaient pas habitables pour les hommes. Là, j'ai choisi des photos d'Inuits. Donc, les hommes, les Homo sapiens, ont été capables de s'adapter à peu près à tous les environnements continentaux, à peupler les îles, et puis même à envoyer deux de leurs représentants sur la Lune et peut-être bientôt sur Mars. Ce succès, il est lié bien sûr au développement de technologies relativement complexes. Notre grand cerveau nous permet la fabrication de toutes sortes d'outils, de machines. D'une façon générale, les hommes, singulièrement les Homo sapiens, modifient leur environnement pour l'adapter à eux-mêmes plutôt que le contraire. Et ce succès, il est aussi dû, je ne sais pas si on aura trop le temps d'en parler, mais à la capacité que nous avons à créer des réseaux entre des individus, des réseaux de solidarité, qui sont des réseaux familiaux, mais qui sont aussi des réseaux beaucoup plus étendus. J'ai signalé déjà qu'on pense que l'origine de notre espèce est africaine. Alors, cette origine africaine de l'espèce, c'est quelque chose qui est apparu de plus en plus clairement dans les années 1980. Cette découverte, elle s'est fondée sur deux types d'observations. D'abord, des observations génétiques et ensuite des observations paléontologiques. Alors, génétique, voilà un autre arbre qui est un arbre des lignées de l'ADN mitochondrial. Alors, l'ADN mitochondrial, c'est une toute petite partie de notre génome qui n'est transmis que par les mères à leurs enfants. C'est une partie du génome qui est beaucoup plus facile à analyser que le génome du noyau, des chromosomes. Et ce que vous voyez sur ce schéma, c'est que tout ce qui est encadré en vert à gauche, eh bien, ce sont des lignées africaines. Et ce que ça dit, c'est quoi? C'est que les lignées les plus anciennes, les plus primitives, sont des lignées africaines, et que les lignées qu'on trouve en dehors d'Afrique, eh bien, c'est une sorte de branche qui est, imaginez un arbre avec une branche qui passe au-dessus du mur du voisin. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les populations humaines. Donc, des populations humaines qui, à un moment donné, sont sorties d'Afrique pour peupler le reste de la planète. Je vous ai dit aussi qu'on avait des preuves paléontologiques de cela, et donc on a trouvé toute une série de formes proches
les hommes actuels, même si elles ne sont pas complètement identiques sur le plan anatomique, singulièrement en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et donc, la combinaison des informations génétiques et des informations paléontologiques ont conduit, quand on a mis en évidence cette origine africaine de notre espèce, à imaginer ce qu'on a appelé un jardin d'Éden. D'ailleurs, ce terme n'est pas neutre. Hein. On a parlé de jardin d'Éden, d'Ève africaine. Donc, vous voyez, il y a une vision assez biblique hein, de la chose. L'idée que, dans le fond, notre espèce était apparue dans un petit territoire de l'Afrique subsaharienne et qu'elle était apparue de façon assez, brutale, rapide, il y a à peu près 200 000 ans. Et qu'à partir de là, elle s'était répandue dans toute l'Afrique et puis ensuite en dehors d'Afrique. Et ce modèle du jardin d'Éden, il a été renforcé par la découverte en Afrique subsaharienne et en particulier en Afrique du Sud, d'artefacts dans plusieurs sites archéologiques montrant qu'on avait, au moins 100 000 ans avant le présent, toute une complexité de comportement, alors complexité technique, mais aussi complexité avec l'utilisation d'objets, la fabrication d'objets non utilitaires, comme ces perles fabriquées avec des coquillages, qu'on a un peu rapidement baptisé de modernité culturelle. Donc on avait un package à la fois biologique et comportemental qui situait ce jardin d'Éden dans l'Afrique subsaharienne. Alors, on a parlé déjà de Djebel Irhoud, et Djebel Irhoud, c'est un site qui se trouve au Maroc, entre Marrakech et Safi, et ce site dans lequel mon équipe a travaillé depuis 2014, eh bien, c'est un site dont l'étude a remis en cause assez fortement ce modèle. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on y a découvert toute une série de restes humains nouveaux qui se sont ajoutés à des restes que l'on connaissait déjà. Et ces restes, sur le plan anatomique, on peut les attribuer à une forme très ancienne d'Homo sapiens. Alors, je me garde bien d'utiliser le terme de moderne. J'avoue que j'ai un certain inconfort à utiliser ce terme d'homme moderne. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'homme moderne, la plupart des gens qui écoutent comprennent des hommes comme nous. Or, la plupart des paléontologues, quand ils parlent d'hommes modernes, ils parlent d'hommes qui sont dans la lignée qui mène à l'homme actuel. Mais sur le plan anatomique comme sur le plan du comportement, beaucoup de ces hommes modernes, en fait, ne sont pas modernes du tout. Ils sont assez différents des hommes actuels. Et c'est le cas des hommes de Djebel Irhoud, avec une face qui est une face qu'on pourrait rencontrer, croiser dans la rue aujourd'hui, mais un cerveau qui est encore assez différent du point de vue de son organisation du cerveau des hommes beaucoup plus récents. Et des études ultérieures ont montré que, en fait, au lieu d'une apparition comme ça, un peu adamique, de l'homme entre guillemets moderne, eh bien, il fallait plutôt envisager une évolution beaucoup plus progressive depuis des formes primitives d'Homo sapiens comme celle de Djebel Irhoud vers des hommes comme ceux que nous côtoyons tous les jours. Alors, du point de vue de l'âge aussi, on a réalisé que ces formes d'Homo sapiens était beaucoup plus ancienne. Le schéma de droite montre les résultats de certaines de nos datations. Donc là, on n'est pas à 200 000 ans, on est plutôt à 300 000 ou au-delà. Et donc, toutes ces découvertes, eh bien, elles ont, dans le fond, remis fondamentalement en cause cette notion de jardin d'Éden, c'est-à-dire l'idée que c'est quelque part en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud que tout se passe avant une expansion continentale. D'abord parce que aujourd'hui, l'Homo sapiens le plus ancien, il n'est pas du tout en Afrique subsaharienne, il est en Afrique nord-saharienne, si je peux dire, au Maroc. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'on a déplacé le jardin d'Éden d'un coin à l'autre de l'Afrique. En fait, à Djebel Irhoud, on trouve ces Homo sapiens anciens
associés à des outils de pierre qu'on attribue à ce qu'on appelle le Middle Stone Age. Et ce Middle Stone Age ancien, on pense qu'il est en fait associé au développement des premiers Homo sapiens. Eh bien, on le trouve en fait aux quatre coins, ou au moins aux trois coins de l'Afrique, à peu près vers la même époque, un peu après 300 000 ans. Et donc, tout ça, ça suggère que probablement, il y a 250-300 000 ans, on avait déjà des Homo sapiens un peu partout en Afrique, des Homo sapiens assez différents des Homo sapiens actuels. Et donc, l'émergence d'Homo sapiens modernes, enfin comme nous, c'est probablement un phénomène assez complexe qui met en jeu plusieurs populations africaines. Ces Homo sapiens qui évoluent en Afrique depuis 300 000 ans vont finir par sortir d'Afrique. Cette sortie d'Afrique, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a eu probablement plusieurs sorties d'Afrique. On a des indices paléogénétiques de sortie d'Afrique, enfin de contact entre des populations africaines et puis des populations eurasiatiques, des néandertaliens en particulier, en fait, à peu près à l'époque des hommes de Jebel Irhoud, hein, déjà. Comment on explique ces sorties d'Afrique? Eh bien, l'Afrique d'aujourd'hui, ça n'est pas l'Afrique du passé. Et en particulier, on a connu en Afrique des fluctuations climatiques et des fluctuations de l'environnement très importantes. D'une façon générale, au cours, disons, du dernier million d'années, l'environnement en Afrique devient de plus en plus aride, mais quand même avec des retours en arrière vers des conditions plus humides de temps en temps. Et pour des périodes assez courtes, mais de quelques millénaires quand même, eh bien, on a ce qu'on appelle des épisodes de Sahara vert, c'est-à-dire que les moussons qui viennent du golfe de Guinée, de temps en temps, remontent beaucoup plus haut que le Sahel et viennent jusqu'au sud du Maghreb. Et quand ces épisodes se produisent, eh bien, vous avez la carte qui se situe en bas de ma figure, c'est-à-dire un Sahara avec des lacs, des rivières, et des lacs, pas des petits lacs, hein, des lacs grands comme l'Allemagne, hein, et un paysage qui est un paysage de savane où les hommes ont prospéré. Et tous les points que vous voyez là sont des sites où on a repéré des traces d'eau et souvent des traces de présence humaine. Ces épisodes de Sahara vert, ils ne concernent pas seulement le Sahara, ils concernent en fait toute la barrière de désert qu'il y a entre l'océan Atlantique et le golfe Persique. Et aux épisodes de Sahara vert s'ajoutent des épisodes d'Arabie verte. Et c'est probablement à l'occasion de ces épisodes-là que, de façon un peu passive, ces populations africaines, eh bien, se sont périodiquement dispersées jusqu'au Proche-Orient. Alors ça commence, on a déjà des Homo sapiens au Proche-Orient il y a 200 000 ans, mais pendant très longtemps, ces Homo sapiens anciens hors d'Afrique, ils vont rester un petit peu confinés dans le sud-ouest asiatique. Et ça n'est que beaucoup plus tard qu'on va les trouver plus haut en latitude, c'est-à-dire dans des régions comme l'Europe. Gardez en tête que ces populations qui arrivent dans les moyennes latitudes sont des populations africaines. Alors j'ai choisi à dessein cette représentation de ces Homo sapiens qui arrivent en Afrique. Alors bon, l'artiste a sacrifié un petit peu aux lubies du moment. Vous voyez que ce sont des dames qui tiennent des sagaies. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment le cas il y a 50 000 ans. Mais je pense qu'il a assez bien rendu l'apparence probable de ces premiers Européens. Et on sait, ça c'est la génétique qui nous l'apprend, la paléogénétique, l'archéogénétique, que en fait c'est seulement très récemment, à la fin des temps paléolithiques, qu'on voit en Europe apparaître des gens à peau beaucoup plus claire que celle-là. Un point important de ce peuplement des moyennes latitudes, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que notre espèce avait remplacé les autres espèces de dominines. En réalité, elle ne les a pas complètement remplacées, c'est-à-dire qu'elle les a parfois en partie absorbées. J'ai parlé de contacts génétiques entre des populations africaines et des populations eurasiatiques. Eh bien,
Ces contacts se sont produits à plusieurs reprises. Vous avez là un zoom, si je peux dire, sur l'arbre phylogénétique que je vous ai montré au début de mon exposé avec différentes populations. À gauche, en orange, sont toutes les populations d'Homo sapiens qu'on connaît aujourd'hui. En vert, des Néandertaliens. Et puis en bleu, des Denisoviens. Et vous voyez qu'il y a des flèches rouges qui vont de l'une à l'autre de ces groupes. Et ces flèches rouges, eh bien, représentent des échanges génétiques qui ont été assez fréquents entre ces différents groupes. Alors, fréquents maintenant, voilà, vous et moi, disons, les non-Africains, nous avons à peu près en moyenne 2% d'ADN néandertalien. Certains trouvent que c'est beaucoup, d'autres trouvent que ce n'est pas tellement, et on peut discuter sur l'importance, sur le plan de nos caractères biologiques, anatomiques, de ces 2% d'ADN néandertalien. On pourra peut-être le faire dans la discussion. L'arrivée de ces populations dans les moyennes latitudes, c'est vraiment un changement assez radical sur le plan de la biologie, hein, puisqu'il y a un remplacement des néandertaliens en Europe, mais aussi sur le plan du comportement, de l'organisation sociale, des techniques. Et en particulier, il y a quelque chose qui est tout à fait spectaculaire, c'est que c'est le moment où on va commencer pour la première fois à trouver dans nos régions des manifestations on peut appeler ça d'art, enfin en tout cas des représentations d'images, de signes, de symboles. Je vous ai mis là une photo de la grotte Chauvet que tout le monde connaît. Hein. Donc, on est un peu après 40 000 ans et on a des représentations d'animaux, d'êtres humains. De façon, à mon avis, beaucoup plus significative, des représentations d'êtres qui n'existent pas, comme cet homme à tête de lion. Donc, ce sont des gens qui ont d'abord le langage pour parler de choses qui pourraient exister, mais qui n'existent pas. Et on connaît plus qu'un homme à tête de lion, on en connaît au moins deux. Des gens qui partagent probablement des croyances, et ces croyances sont certainement le ciment de ces réseaux à grande échelle dont je parlais tout à l'heure. Alors, on a très peu de restes fossiles de cette période-là. Au-delà de 50 degrés de latitude nord, on a, il y a 45 000 ans, un fémur, qui est un fémur dont le matériel génétique est celui d'un Homo sapiens, clairement. Malheureusement, ce fémur n'est pas associé à des restes archéologiques. Et le problème qu'on a pour cette période-là, c'est que, j'allais dire, on a beaucoup d'archéologie, on n'a pas beaucoup de restes humains. Beaucoup d'archéologie, ben voilà une carte de l'Europe entre 45 000 et 40 000 avant le présent. Vous voyez que c'est assez compliqué. Toutes ces taches de couleurs, ça représente des ensembles archéologiques qui sont définis par un certain type d'outillage, voire d'objets de parure. On est tenté, évidemment, de les identifier comme des cultures, avec beaucoup de guillemets autour du mot « culture ». Dans la plupart des cas, on ne sait pas très bien qui les a fabriqués. Ce sont les derniers néandertaliens ou les homo sapiens qui arrivent dans nos régions. On sait qu'associé à certaines d'entre elles, enfin au moins une d'entre elles, qui est assez élaborée du point de vue technique, c'est-à-dire qu'on retrouve dans cet ensemble qu'on appelle le châtel péronien des outils en os, des objets de parure comme ces dents percées, donc des choses qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent dans le monde des Néandertaliens, puis des outils en silex comme ces petites lamelles que vous voyez en haut de l'image. Tout ça, ça évoque quelque chose, j'allais dire, post-changement, post-arrivée des Homo sapiens, mais néanmoins, dans les deux sites où on a trouvé des restes humains associés à ces outillages, eh bien, ce sont des Néandertaliens. Donc ça, c'est une question qui est absolument critique, sur laquelle on s'interroge beaucoup. On a récemment travaillé, et Claudine Cohen l'évoquait, dans un site qui se situe en Bulgarie, qui date d'environ 45 000 ans, c'est le site de Batchokiro, dans lequel on trouve des industries qu'on appelle des industries du paléolithique supérieur initial.
Alors, on a eu la chance de pouvoir réouvrir ce site qui avait été fouillé déjà dans le passé. Et vous voyez ce niveau très noir à la base de la stratigraphie. C'est un niveau très riche dans lequel on a trouvé des outillages qui sont des outillages un petit peu intermédiaires entre le Middle Stone Age dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a vu fabriquer par des Homo sapiens en Afrique, et puis un paléolithique supérieur, franc, avec des, en particulier des outils en os. Pour la première fois, dans ce site de Bachoquiro, on a eu la chance de trouver des restes humains qui sont assez bien conservés, même s'ils sont très fragmentaires. Je vous montre là, la seule chose que je peux vraiment vous montrer pour l'instant, c'est une dent, mais on a des choses plus complètes qui n'ont pas été encore publiées, donc c'est un petit peu sous embargo. Ce qui est important à propos des restes humains découverts associés à ces industries, c'est que ce sont des Homo sapiens, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, anatomiquement et génétiquement. Et quand on regarde leur génome, on se rend compte que ce sont des formes qu'on peut définir comme des Homo sapiens. Là, vous avez à nouveau un arbre de ces fameuses lignées mitochondriales, donc cet ADN transmis par les mères à leurs enfants. Dans ce site, on a plusieurs lignées mitochondriales qui sont représentées, mais au moins une qui n'existe plus en Europe aujourd'hui. Et quand on va regarder dans l'ADN des chromosomes, dans l'ADN nucléaire, on se rend compte que ces hommes de Bachoquiro, semblent ne pas avoir de lien avec les populations ultérieures de l'Europe. Donc déjà, ça nous dit une chose, ça nous dit que ce peuplement de l'Europe, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a des Homo sapiens comme ceux de Bachoquiro qui sont, vous les avez vus en Sibérie occidentale, en Europe de l'Est, il y a 45-46 000 ans, alors que les derniers néandertaliens en Europe de l'Ouest ne disparaissent pas avant 40 000 ans. Donc un recouvrement de au moins 5 ou 6 000 ans entre les deux espèces. D'autre part, ces pionniers, si je peux dire, sapiens en Europe, manifestement, ont été remplacés par d'autres populations de sapiens qui sont venus après. Et puis surtout, pour terminer, je voudrais dire que ce qu'on a identifié à Bachoquiro, c'est un contact avec les Néandertaliens. Donc ces hommes de Bachoquiro, tous ont au moins un aïeul néandertalien entre 5 et 7 générations avant le moment où ces individus ont vécu. C'est-à-dire qu'on est vraiment un siècle et demi après le premier contact dans cette région-là d'Europe. Donc on voit que cette période de recouvrement entre les derniers néandertaliens en Europe et puis les premiers sapiens, alors peut-être pas localement, mais en tout cas à l'échelle du continent, c'est quelque chose qui a duré assez longtemps. Et c'est sans doute ce qui explique qu'on a, dans le Châtel-Péronien, avec les derniers néandertaliens, ce qui est représenté à droite, c'est-à-dire des objets de parure faits de dents percées, des outils en os, qui sont très semblables à ce que les Homo sapiens de Bachoquiro, quelques siècles auparavant, ont fabriqué là-bas en Bulgarie des dents percées de mammifères et des objets en os. Et personnellement, je pense que non seulement il y a eu des flux géniques entre ces populations, mais il y a eu aussi la diffusion d'innovations d'un groupe à l'autre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Jacques Hublin, pour ce passionnant exposé qui nous emmène de l'Afrique jusqu'à l'Europe avec toutes ces rencontres et tous ces échanges possibles. Là, nous aurons aussi l'occasion d'en rediscuter. Alors, je vais donner maintenant pour le troisième exposé la parole à Céline Bon, qui est paléogénéticienne, maîtresse de conférence donc au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est chercheure au laboratoire d'éco-anthropologie du Musée de l'Homme
et responsable de la coordination de la paléogénomique et de la génétique moléculaire dans ce laboratoire. Alors, elle a commencé par étudier les ours des cavernes et les hyènes du paléolithique supérieur, et en particulier du matériel de la grotte Chauvet, dans cette perspective de paléogénomique. Et puis, elle s'oriente plus aujourd'hui vers des études sur les populations humaines, et en particulier sur les mouvements de population dans le sud de l'Asie centrale depuis les 3 derniers millénaires et en France depuis le néolithique. Et donc, elle Merci. Va nous présenter le domaine fascinant et en plein développement. Nous avons déjà eu quelques éléments pour la compréhension, pour aborder ce domaine. Donc, des recherches sur l'ADN ancien, sur la biologie paléomoléculaire et leur impact sur notre compréhension de l'évolution humaine. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à tous et à toutes d'être là. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et puis très honorée aussi de partager l'estrade, en tout cas l'estrade virtuelle, avec José Braga et Jean-Jacques Hublin. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu ce que la génétique, l'étude de l'ADN, peut permettre d'explorer sur ces questions de l'origine et de l'évolution de la lignée humaine. Alors déjà, quand on parle de génétique, de quoi on parle? C'est peut-être un peu moins évident que juste, enfin, que moins facile à percevoir que lorsqu'on voit un fossile ou un ossement humain. Quand on parle de génétique, on va parler de l'ADN, donc de cette molécule qu'on possède dans toutes nos cellules et qui est constituée de l'enchaînement d'une multitude de paires de bases. Il existe 4 types ATCG. Donc en fait, l'ADN, c'est comme un gigantesque texte, vraiment très très long, très détaillé, mais qui est écrit avec un alphabet à seulement 4 lettres. Cet ADN, on va effectivement, comme l'a souligné Jean-Jacques Hublin tout à l'heure, on va le retrouver dans 2 compartiments dans la cellule. Un premier compartiment qui est le noyau, qui est le principal coffre-fort à ADN de nos cellules. Dans ce noyau, on va avoir 2 génomes, un génome qu'on a hérité de notre père, un génome qu'on a hérité de notre mère. Chacun de ces génomes fait 3,2 milliards de paires de bases. Donc, quand je vous ai dit que c'était un texte extrêmement long, c'est vraiment un texte très, très, très long. Ce génome est organisé sous forme de 23 paires de chromosomes. Donc, un gène va être présent en 2 copies dans chaque cellule. Puis, on va aussi avoir de l'ADN dans un autre compartiment, qui est l'ADN mitochondrial, qui, lui, ne possède qu'un seul type de chromosome, qui fait 17 000 paires de bases, donc qui est effectivement beaucoup plus court, qui n'est transmis que par la mère, donc qui permet de retracer l'évolution uniquement de la lignée maternelle, mais qui a l'avantage, surtout quand on travaille en paléogénétique, d'exister sous forme de plusieurs centaines de copies par cellule. Donc, voilà, quand l'ADN est dégradé, on a quand même plus de chances de retrouver de l'ADN mitochondrial que de l'ADN nucléaire, même s'il n'informe que sur une partie de la généalogie, seulement la lignée maternelle. Cet ADN, elle fonctionne un petit peu comme une machine à remonter le temps, parce que justement, comme on hérite l'ADN de chacun de nos parents, donc cet individu ici a hérité son ADN de son père et de sa mère, et va le transmettre ensuite dans ses gamètes à ses enfants, et donc cet individu ici aura des fragments d'ADN qui proviendront de chacun de ses 4 grands-parents, de chacun de ses 8 arrière-grands-parents, etc., etc. Donc on hérite cet ADN de nos ancêtres, et donc cet ADN permet de remonter jusqu'à ses ancêtres. Simplement, on l'hérite avec des modifications. On a environ 70 mutations, 70 variations par génération. Alors, ce qui est quand même très, très peu, hein, 70 mutations par génération, quand on parle de 3,2 milliards de paires de bases, c'est extrêmement conservatif. Mais quand on accumule les générations, au fur et à mesure, on finit par accumuler un certain nombre de différences. Et nous, c'est ces différences qu'en génétique, on va étudier, qui vont nous intéresser. Alors, au final, ça conduit à quoi, ces 70 mutations par génération? Ça conduit au fait que quand je compare mon génome avec le vôtre, ou mon génome d'origine paternelle et mon génome d'origine maternelle, on va compter environ 3 à 5 millions de mutations, de différences entre les 2 génomes. 3 à 5 millions, c'est à la fois beaucoup, on a beaucoup d'informations sur lesquelles travailler, mais en même temps, quand on compare à la taille du génome sur 3,2 milliards de positions, ça veut dire qu'on a environ une position qui change toutes les 1000 paires de bases, ce qui est très très faible. Et si on s'intéresse à la manière dont ces variations sont différenciées entre les populations humaines, on va se rendre compte qu'en fait, il y en a très peu qui sont différenciés entre les populations humaines. La plupart des variants, on va les retrouver dans toutes les populations qui existent actuellement sur Terre. Il n'y a que 10% des variants environ qui vont permettre de différencier entre les populations. On va retrouver
un aspect, un allèle, une mutation dans une population et une autre, l'autre allèle, dans l'autre population. Ça, c'est lié à quoi ? C'est d'abord lié au fait, on en a déjà parlé, mais que sur le plan évolutif, Homo sapiens, c'est une espèce qui est jeune. Finalement, on n'a pas le temps d'accumuler tant de variations que ça. Et puis l'autre aspect qui est aussi assez particulier chez Homo sapiens, c'est qu'on bouge beaucoup, on migre beaucoup, et chacun de ces migrants va réhomogénéiser le pool génétique. Alors je vous ai dit, avec un autre humain, on a 1 pour 1000 de différence. Si on compare à nos plus proches cousins vivants, aux chimpanzés, on va avoir de l'ordre de 1% de différence. Donc aussi quand même très peu de différence malgré les profondes modifications morphologiques, phénotypiques entre les chimpanzés et nous. Alors, on peut étudier l'ADN dans des populations actuelles, et on le fait toujours, et je vais vous présenter quelques-uns des résultats qu'on peut obtenir quand on fait ça, mais cet ADN moderne a quand même un certain nombre de limites. La première limite, c'est un peu comme si on essaye de reconstituer sur ces affiches empilées les unes sur les autres dans une station de métro, si on essaye de reconstituer l'ordre dans lequel elles ont été mises, les affiches les plus récentes vont effacer des informations qui sont les affiches les plus anciennes. Et quand on est en génétique, c'est un petit peu pareil, des événements récents, en particulier des événements qui ont eu un impact très fort sur la démographie récente, vont aller effacer, cacher des événements plus anciens ou qui ont peut-être eu un impact un peu plus faible, même s'ils se sont quand même produits dans les populations du passé. Donc ça, c'est la première limite, la première difficulté qu'on a quand on travaille sur de l'ADN moderne. L'autre difficulté auquel on peut avoir accès, c'est les datations qu'on fait avec l'ADN. On en est très fiers, mais elles sont quand même généralement pas extrêmement précises. Et suivant les modèles qu'on va utiliser, suivant les statistiques qu'on va utiliser, on va avoir aussi des variations dans ces datations. Donc, on a des datations qui sont relativement imprécises. Et la dernière difficulté, je vous ai dit, l'ADN qu'on va étudier, c'est l'ADN qu'on a hérité de nos ancêtres dans notre généalogie. Mais des populations qui n'ont pas donné accès, qui n'ont pas permis d'avoir des descendants vivants actuellement, on ne va pas retrouver leur génome, leur ADN, leur histoire génétique à l'intérieur des génomes des populations qu'on étudie actuellement. Et c'est là que depuis 10-15 ans, le développement de la paléogénétique et de la paléogénomique, c'est-à-dire de la paléogénétique à l'échelle du vivant, a eu un impact assez fort, puisque non seulement on va avoir un accès direct à la diversité génétique du passé, donc avant les événements démographiques qui ont pu modifier, transformer, cacher des événements anciens, on va de plus pouvoir parfois avoir accès à des datations carbone 14 ou sur des périodes plus anciennes, des datations culturelles plus précises et un contexte archéologique qui va donc justement permettre de faire le lien entre ce qu'on voit comme artefact culturel et la diversité génétique des personnes qui ont fabriqué, ont utilisé ces objets. Et puis le dernier aspect qui est extrêmement important, c'est qu'on a accès au génome, à de l'information génétique sur des populations ou des espèces qui se sont éteintes sans donner de descendants. Alors tout n'est pas si rose quand même, parce qu'on a quand même un certain nombre de difficultés en ADN ancien. La première difficulté, c'est que l'ADN est une molécule organique, donc qui au fur et à mesure du temps finit par se dégrader. Et en particulier dans les climats chauds, cette dégradation peut être assez rapide. Donc dans des climats chauds, on va remonter de quelques milliers d'années. Dans les climats les plus froids qu'on va trouver sur Terre, dans le pergélisol, on va remonter jusqu'à 1 million. Là, on a eu un génome de mammouth à 1 million 2, mais c'est un petit peu la limite. On atteint les limites de la préservation de l'ADN ancien. Et puis malheureusement, on trouve assez rarement des restes humains conservés dans le pergélisol, voire même exceptionnellement. Donc voilà, l'ADN ancien va permettre d'explorer ces temps plus anciens, mais comparativement, on a vu un petit peu avec José Braga, les échelles de temps de l'émergence du genre homo, de l'émergence de l'espèce humaine, on va quand même ne gratter que la surface de cette histoire avec l'ADN ancien. Puis on a d'autres difficultés, alors qu'on travaille de façon extrêmement consciencieuse à résoudre, qui sont les contaminations, que ce soit par l'ADN environnemental, qui va augmenter le coût des analyses, ou par de l'ADN humain, qui là risque de biaiser les résultats. Donc on est extrêmement prudent sur ces différents aspects. Quand on étudie, qu'est-ce que l'ADN peut nous dire sur l'émergence d'Homo sapiens et son évolution ? Alors c'est une question qui est un petit peu compliquée, c'est pour ça que j'aimerais la poser d'une autre manière. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'émergence d'Homo sapiens en génétique ? L'Homo sapiens en génétique. Homo sapiens, c'est une espèce, on verra si on en discute tout à l'heure entre nous, mais
une espèce, au final, on a énormément de définitions différentes de cette boîte. L'espèce, c'est une boîte qu'on aime beaucoup utiliser parce que c'est très pratique. Mais en fait, suivant les disciplines, suivant les chercheurs, on ne va pas forcément définir la boîte de la même façon. Donc, on va avoir des définitions d'Homo sapiens, qui sont des définitions paléanthropologiques, des définitions archéologiques, et puis nous, une définition génétique. Alors, souvent, on prend la définition de l'espèce, définition biologique de l'espèce, avec le critère d'interfertilité. Appartiennent à la même espèce des populations qui peuvent se reproduire les unes avec les autres et avoir des descendants fertiles. Alors, si on regarde tous les humains qui vivent actuellement sur Terre, bah, ça marche. On appartient bien tous à la même espèce avec la terminologie biologique, puisque toutes les populations humaines sont interfertiles les unes avec les autres. Et donc, si on se place aujourd'hui sur ces humains qui vivent là actuellement, et ben, en fait, ce qu'on va chercher, ce qu'on va appeler émergence d'Homo sapiens, nous, en tant que généticiens, ça va être le moment où toutes ces différentes populations humaines vont partager un ancêtre commun, donc ce moment ici. Est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient là n'étaient pas des Homo sapiens ? Est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient là étaient déjà des Homo sapiens ? Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont sur les branches à côté, mais qui n'ont pas donné de descendants vivant actuellement n'étaient pas des Homo sapiens? Ça, c'est une question que je laisse ouverte, puisque, a priori, on n'a pas moyen de tester ce critère d'interfertilité entre ces différents groupes. Alors, quand on définit ça comme émergence d'Homo sapiens, qu'est-ce que l'ADN peut nous dire sur l'émergence d'Homo sapiens? La première étape, ça va être d'aller échantillonner de l'ADN auprès de gens vivant actuellement, alors venant de différentes régions du monde, donc des populations qui ne vivent pas en Afrique, des non-africains, des populations de différentes régions africaines, donc Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, des pygmées d'Afrique centrale, et puis des populations qui parlent des langues akliques dans le sud de l'Afrique, donc qu'on regroupe sous le grand terme de Khoessan. Et ce qu'on voit, ainsi que Jean-Jacques Hublin vous l'a dit précédemment, mais quand on regarde la diversité génétique des non-africains, quand on compte le nombre de mutations entre tous ces génomes, eh ben, on se rend compte que, en fait, les non-africains s'enracinent à l'intérieur de la diversité des populations d'Afrique, et en particulier des populations d'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que, sur le plan génétique, un individu qui vit en Afrique de l'Est est plus proche d'un non-africain que d'un individu qui vit en Afrique de l'Ouest ou d'un pygmée centrafricain, etc., etc. Donc ça, c'est un des arguments, alors il y en a de multiples en 20 minutes, je n'ai pas le temps malheureusement de tous vous les présenter, mais un des arguments génétiques sur l'origine africaine d'Homo sapiens. Et puis, on peut compter ce nombre de différences, essayer d'établir un taux de mutation. Alors, ça reste encore sujet à débat, le taux de mutation dans l'espèce humaine, un taux de mutation par génération, avoir une estimation d'à peu près 27 ans du temps de génération dans l'espèce humaine, et donc déterminer qu'on a eu des divergences entre ces populations, bah, par exemple entre les non-africains et les populations d'Afrique de l'Est. Dans cette publication de Schlebusch en 2020, une de leurs méthodes leur a donné une date d'à peu près 80 000 ans sur cette date de divergence. Il y a une certaine variabilité sur cette date, mais généralement, on évolue entre 60 et 80, 100 000 ans avant le présent. Et puis, on peut aussi s'amuser à dater cette date de divergence, donc entre ces populations qui ont donné les Khoessan et puis tout le reste de l'humanité, et obtenir une date qui est autour de 250 000 ans. Simplement, grâce à la paléogénétique, en séquençant des génomes anciens africains, donc très récents hein, malgré tout, c'est ancien mais pas si ancien que ça, de quelques centaines ou quelques milliers d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait eu de nombreux flux de gènes entre ces populations. Par exemple, un retour en Afrique de certaines populations non africaines qui ont contribué à la diversité génétique qu'on voit en Afrique de l'Est. Des flux de gènes entre les populations d'Afrique de l'Est et ces populations Khoessan, ou des flux de gènes entre les populations d'Afrique de l'Ouest et les pygmées. Et quand on prend en compte ces flux de gènes dans nos calculs, dans nos statistiques, et ben ça enracine de façon plus lointaine ces divergences de population. Et donc, on tombe sur une date d'émergence d'Homo sapiens, définition génétique, autour de 270-300 000 ans. Alors ça, simplement, c'est sur les flux de gènes qu'on a pu voir aujourd'hui grâce au séquençage de génomes relativement récents. Mais on n'a aucune idée sur les différents flux de gènes qui ont pu se passer entre ces populations autrefois dans le passé de façon beaucoup plus ancienne. Et en fonction de l'importance de ces flux de gènes entre les populations et d'autres questions qui se posent sur la structuration ancienne de ces populations humaines, bah, ça va avoir un impact à la fois sur la date de cette émergence et puis sur la modalité également de cette émergence avec cette question du jardin d'Éden ou pas que Jean-Jacques Hublin soulevait tout à l'heure, mais des,
voilà, de la manière dont ces différentes populations humaines ont pu évoluer et depuis combien de temps. Un autre aspect qu'on peut étudier en génétique, c'est essayer de reconstituer la taille de ces populations du passé. Alors, on n'a pas accès à la taille précise, la taille census, hein, de par exemple 7 milliards d'individus aujourd'hui. On a accès à une estimation de la taille qu'on appelle la taille de population efficace qui pourrait correspondre de façon assez générale au nombre de personnes qui se reproduisaient dans ces populations. Mais c'est une définition assez basique que je donne là, c'est un concept très, très complexe et très théorique. Mais toujours est-il que quand on regarde ces tailles de population, on peut la reconstituer la manière dont elle évolue au cours du temps. Donc là, on est dans le présent, là, on est dans des temps très anciens, autour de 500 000 ans. Et on peut réaliser dans ces différentes populations que jusque vers cette flèche grise, là, 200, 300 000 ans, toutes ces populations ont eu la même histoire démographique. Et c'est seulement à partir de cette flèche-là qu'on les voit qui commencent à se différencier, à avoir des histoires démographiques particulières, donc avec en particulier des populations appartenant au grand groupe des Khoisan, ici en rouge et en vert, qui commencent à se différencier, puis chacune d'entre elles qui va vivre son histoire démographique. Et vous voyez ici que dans cette population beige, là, on traverse ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, on passe par une toute petite taille de population. Cette population beige, c'est une population non africaine, c'est les Français. Donc, dans nos ancêtres, à nous, Français, ont connu un énorme goulot d'étranglement à ce moment-là. Et quand on regarde par rapport à d'autres populations non africaines, qu'elles soient donc européennes, asiatiques, océaniennes ou amérindiennes, on voit que toutes ont connu cette taille de population de façon extrêmement, enfin, cette décroissance de taille de population très, très importante autour de 50 000 ans. Ça, ce goulot d'étranglement, ça, c'est une des traces de la sortie d'Afrique telle qu'elle s'est passée chez les ancêtres des populations non africaines. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que bien qu'on va trouver sur le plan des fossiles un certain nombre de sorties d'Afrique qui ont pu être plus anciennes, le fait que toutes les populations non africaines partagent le même goulot d'étranglement au même temps montre qu'en fait, il n'y a qu'une seule sortie d'Afrique majeure qui a donné naissance aux Homo sapiens qui vivent actuellement sur Terre. Les autres sorties d'Afrique n'ont pas été un succès, en tout cas n'ont pas permis à leurs descendants de survivre jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous pouvez voir qu'il y a une population qui traverse un autre goulot d'étranglement ici, c'est les Amérindiens. Et cette date-là de à peu près 13-15 000 ans, c'est le peuplement des Amériques, le passage du détroit de Bering qui se passe là avec une toute petite taille de population. Donc, on a les Homo sapiens qui sortent d'Afrique vers à peu près 80-50 000 ans dans cet ordre de grandeur-là. Et quand ils sortent d'Afrique, ils vont se retrouver face à d'autres humanités. Alors, des humanités qu'on appelle hommes de Néandertal, qui sont plutôt en Eurasie de l'Ouest, et puis des humanités qui sont moins précisément définies, qu'on va retrouver en Eurasie de l'Est. Avec ces fossiles verts, cette race verte. Et une des questions qu'on peut à nouveau se poser, c'est quelles sont et quelles ont été les relations entre ces différents groupes humains, entre ces différentes humanités, une fois qu'Homo sapiens était sorti d'Afrique. C'est là que l'ADN ancien va pouvoir apporter de nouvelles données. Donc la plupart de ces travaux, enfin la quasi-totalité de ces travaux qui ont été faits sur ces Homo anciens eurasiatiques en paléogénétique ont été faites par l'équipe de Svante Paabo, dont je ne fais que reprendre ici les mots, dont je me fais le porte-parole. Donc, comment est-ce qu'on analyse un fossile? Déjà, il faut avoir un fossile, c'est quand même la première condition. Ensuite, on va percer un petit trou dedans. Alors, pour prendre vraiment très peu de matériel, on essaye de ne pas être trop gourmand, 100 mg au maximum, mais voilà, il y a quand même un trou à l'intérieur du fossile. On va ensuite extraire, purifier le matériel génétique qui est à l'intérieur, puis le séquencer et comparer toutes ces séquences au génome de référence humain, histoire d'en sortir les petits bouts qui correspondent bien à de l'ADN humain. Alors, on a un taux de réussite qui est variable. Parfois, on retrouve de l'ADN en grande quantité, parfois, on n'en retrouve pas du tout. Mais que la manip ait marché ou qu'elle n'ait pas marché, que l'expérience était un succès ou pas, on a quand même percé le petit trou dans le fossile initialement. Et donc ça, d'expérience, je peux vous dire que mes collègues, en tout cas ceux avec lesquels j'ai discuté au Musée de l'Homme, ils ne sont généralement pas extrêmement heureux qu'on aille faire des trous dans des ossements, surtout pour leur dire qu'on n'est pas sûr que ça va marcher à la fin.
Et j'ai envie de dire, c'est là que la découverte de la grotte de Denisova dans l'Altaï et son exploitation sur le plan paléogénétique a été quand même une sacrée chance. Parce que cette grotte, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'on a retrouvé des fossiles humains à l'intérieur, que vous avez quelques représentants ici. La deuxième, c'est qu'elle est en Sibérie. C'est une grotte qui est extrêmement froide et qui a une excellente conservation de l'ADN à l'intérieur. Et comme ces fossiles, vous pouvez le voir, ne sont pas extrêmement informatifs sur le plan morphologique, l'idée de les réduire en poudre, de faire des petits trous dedans, était sans doute moins choquante que de le faire sur un fossile qui pouvait apporter beaucoup d'autres types d'informations que juste l'ADN ancien. Et donc, un grand nombre d'analyses paléogénétiques ont été faites à partir de fossiles qui proviennent de cette grotte, mais en particulier le premier séquençage d'un génome de bonne qualité pour Néandertal. Et puis, certains de ces fossiles ont été étudiés et ont conduit à des surprises, c'est-à-dire à la découverte d'un groupe humain qui n'était pas tout à fait néandertalien, qui n'était pas tout à fait sapiens, qui était assez éloigné des sapiens, et que donc on a appelé les Denisova, parce qu'on les a retrouvés dans la grotte de Denisova. Céline, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'il faut qu'on ait le temps de discuter. D'accord. Avec cette magnifique explication que vous nous avez donnée de toutes les modalités d'exploitation de l'ADN et cette découverte de l'hominine de Denisova, je pense qu'il faut qu'on ait quand même un peu de temps pour mener notre discussion. Là, on a dépassé les 20 minutes. Voilà. Donc, mais on va bien sûr vous redonner la parole avec cette question, il me semble, qui surgit de l'ensemble de vos exposés, à savoir de la question de la définition de l'espèce. Il me semble, vous l'avez soulevé vous-même, et il me semble autant du point de vue du terrain, de l'approche des fossiles qu'on découvre sur le terrain et qu'on identifie, au niveau de toutes ces recherches sur l'ADN ancien et en particulier la définition de nouveaux groupes comme les Denisoviens ou encore la question de l'hybridation dont Jean-Jacques Hublin nous a parlé, il me semble que autour de toutes ces questions-là se pose effectivement de façon centrale la question de savoir comment on délimite une espèce, comment on délimite un groupe. Si on définit comme espèce l'ensemble des individus interféconds, évidemment, la paléontologie n'a pas énormément de moyens de mettre en évidence cette interfécondité, sauf dans ces cas d'hybridation qui, eux-mêmes, posent problème au niveau même de la question de la définition de l'espèce. Alors, est-ce que, Céline, vous avez déjà quelque chose à Oui, voilà. Un aspect que je voulais justement aborder dans la présentation, mais je me suis laissée dépasser par le temps. Justement, on voit grâce aux analyses paléogénétiques qu'on a eu ces flux de gènes nombreux entre ces différents groupes humains. Donc, on a envie de dire, c'est donc qu'ils appartiennent à la même espèce. Quand on va regarder un peu plus précisément à l'intérieur du génome et de Sapiens en particulier et de ce que Néandertal a légué dans le génome de Sapiens, on se rend compte qu'il y a dans un certain nombre de cas On a des indices qui montrent que ce n'était pas si simple que ça. Par exemple, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a moins de variants d'origine néandertalienne dans les gènes qui sont impliqués dans la reproduction. Il y a des mutations sur le chromosome Y de Néandertal dans des gènes qui interviennent dans la réponse immunitaire de la mère par rapport à son fœtus, qui supprime la réponse immunitaire de la mère par rapport à son fœtus. Et comme les gènes sont très différents entre le chromosome Y de Sapiens et le chromosome Y de Néandertal, on a des suspicions comme quoi, en fait, quand une femme Sapiens était enceinte d'un fœtus métissé Néandertal avec un chromosome Y Néandertal, potentiellement, on avait un avortement spontané in utero très fréquent. Donc, en fait, on est un petit peu à la limite entre ces deux définitions de est-ce que ça appartient à la même espèce ou est-ce que ça appartient pas à la même espèce. On est des espèces, à mon sens, en cours de spéciation à ce moment-là. C'est-à-dire que, je vous ai dit, l'espèce, c'est une boîte qui est assez pratique d'utilisation. Mais comme toujours en biologie, essayer de mettre la biologie dans les boîtes, on a toujours des exceptions. Et pour moi, on est justement à cette frontière entre les deux, deux définitions. Oui, Céline a employé le bon terme, C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que la spéciation, comme on dit dans le jargon, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et c'est un processus qui est long.
Et donc, les biologistes ont mis au point toute une kyrielle de définitions de l'espèce. Alors, celle que tout le monde connaît, hein, c'est l'espèce qui est délimitée par l'isolement reproductif. Mais il y en a d'autres hein, de définitions que je ne vais pas développer là. Et ce qu'on pense de plus en plus, c'est qu'en fait, ces différentes définitions de l'espèce qui ont été données représentent en fait des étapes successives sur le chemin qui va mener à la fin à l'isolement reproductif total. Alors, toute la question, c'est quoi ? C'est que, en fait, on aimerait bien appeler espèce ben, les espèces en formation et pas seulement le produit final. Je vais vous donner un exemple, je pense qu'il va parler à tout le monde. Les bisons et les vaches. Bon, je pense que, enfin, intuitivement, la plupart d'entre nous réalisent qu'un bison, ce n'est pas une vache. Et donc, on aimerait bien appeler les bisons une espèce. Les zoologistes, d'ailleurs, considèrent que les bisons sont non seulement une espèce séparée, mais même un genre séparé. Bon. Chez les bisons, en Amérique du Nord, les bisons qui vivent dans les réserves, il n'y a plus un seul bison qui a un ADN pur de bison. Ils ont tous un peu d'ADN de vache. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de l'hybridation entre ces deux genres. Hein. Et alors dans le cas des bisons d'Amérique, c'est vraiment parce que les hommes, enfin les Européens, ont amené des vaches en Amérique du Nord. Hein. Mais pensez à ça. En Europe, il y a des bisons d'Europe. Et il y a aussi, il y a eu longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, l'espèce sauvage qui est à l'origine de la domestication du bétail moderne. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en Europe, à l'état sauvage, on a eu pendant plusieurs millions d'années les ancêtres des bisons et les ancêtres des vaches qui ont vécu sur le même continent, dans les mêmes régions. Ils pouvaient s'hybrider parce qu'on peut encore aujourd'hui hybrider et on produit des hybrides féconds, hein, des hybrides de bovins d'élevage et de bisons d'Europe sauvage. Et donc, ces deux espèces ou lignées d'espèces ont existé depuis le Pliocène en Europe. Et dans le fond, elles ont gardé leur autonomie, si je peux dire. Et donc, ce qu'on reconnaît aujourd'hui de plus en plus, enfin, ce que les biologistes reconnaissent de plus en plus comme des espèces, c'est pas des espèces qui sont uniquement séparées complètement sur le plan reproductif, mais ce sont des lignées, hein, c'est un concept qu'on appelle Metapopulation lineage, les lignées de métapopulation, sont des lignées qui, dans le fond, sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années, conservent leur trajectoire, peuvent occasionnellement échanger du matériel génétique avec les formes voisines, mais avec déjà des mécanismes, dans le fond, qui assurent l'intégrité de ces lignées. Et donc, même si l'hybridation est possible, eh bien, elle ne se produit pas à une échelle telle qu'il y a une fusion complète de ces groupes. Et on a de nombreux exemples de ça, d'espèces qui existent dans les mêmes régions. On sait qu'elles peuvent s'hybrider, et maintenant, avec le séquençage à haut débit, on peut étudier tout ça en détail. On sait qu'elles peuvent s'hybrider. D'ailleurs, sur le plan évolutif, ça peut être relativement bénéfique de temps en temps de s'hybrider avec quelqu'un d'autre, si je peux dire. Mais en même temps, il existe des mécanismes qui préservent leur identité. Et dans le fond, c'est ça qu'on voudrait appeler des espèces. Et de ce point de vue-là, je dirais que toutes les espèces dominines qui ont existé au cours des deux derniers millions d'années, presque certainement étaient potentiellement interfécondes, mais de mon point de vue, ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de les reconnaître comme des espèces. Très bien, merci. José, vous avez vous-même voulu aussi aborder cette question. Alors, en ce qui vous concerne, oui, moi je vais répéter un peu différemment ce qui vient d'être dit par mes deux collègues, mais je vais tout à fait aller dans le même sens. Je pense que si on ne s'intéresse à l'évolution humaine qu'en essayant d'identifier des espèces, bien le problème est assez mal posé, tout simplement parce qu'on n'introduit pas dans ce questionnement la notion de temps. Tout à l'heure, Jean-Jacques Hublin parlait d'individus dont les ancêtres étaient potentiellement, en tout cas, l'un d'eux néandertalien quelques générations plus tôt. Pour simplement poser le problème, il suffit de se poser la question de savoir
à quelle espèce appartient le fruit d'une hybridation entre Madame Néandertal et Monsieur Sapiens à la génération suivante? Appartient-il ou tel à l'espèce A ou à l'espèce B? À aucune des deux, probablement, ou aux deux peut-être à la fois. Hein, donc, je pense que la question des frontières, je préfère plutôt parler de frontières que d'espèces, elle ne se pose que si on essaie de décliner cette question à travers le temps. Et dans ce cas-là, ce ne sont plus à des espèces dont on a, ce ne sont plus des espèces que l'on a en face de soi, mais des lignées, effectivement, c'est-à-dire des généalogies d'individus qui partent d'une souche commune et qui sont susceptibles éventuellement de se mélanger à d'autres lignées. Et effectivement, au bout d'un certain nombre de milliers d'années, de dizaines de milliers d'années, ces échanges, parce que le temps a passé, eh bien, ces échanges sont moins faciles parce que isolement géographique ou parce que séparation comportementale. Donc la géographie n'est pas toujours à elle seule le bon critère pour délimiter des lignées évolutives, séparer des lignées évolutives au cours du temps, mais les comportements peuvent également être de puissants moteurs pour faire que des lignées évolutives vont être finalement totalement séparées les unes des autres. Merci. Alors, il y aurait des questions à poser ça, mais j'aurais une question à adresser aux deux, à nos deux chercheurs qui ont parlé de biologie paléomoléculaire au niveau, en ce qui concerne la définition des Denisoviens. Alors, qu'est-ce qui justifie d'appeler les Denisoviens une espèce? Je sais qu'il y a eu, enfin, il me semble qu'il y a eu des débats entre les généticiens et entre les généticiens et les paléanthropologues autour de cette question de la définition d'une nouvelle espèce à Denisova. Alors, est-ce que Céline, oui ? Je ne crois pas qu'on ait. J'ai jamais vu le statut. Enfin, en tout cas, moi, dans toutes les publications parlant des Denisoviens, j'ai observé la finesse avec laquelle les auteurs justement évitaient d'employer le terme d'espèce. Et parlait des Denisoviens ou du groupe humain ou parfois de la lignée Denisovienne. Voilà, mais en évitant d'utiliser ce terme d'espèce, surtout que là, sur le plan biologique, la proximité avec Néandertal est quand même assez, assez forte et que les flux de gènes entre Denisova et Néandertal ont été, quand ils ont été en contact, extrêmement, extrêmement fréquents. Donc, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de statut d'espèce pour Denisova au sens de la définition de l'espèce. Ceci dit, encore une fois, moi je pense que l'espèce est une notion qui est utile parce que quand on a besoin de catégoriser des choses, qu'on a besoin de parler d'un certain type d'humanité qui est différente d'un autre type d'humanité, et que quand on a besoin de comparer les Denisoviens au Néandertal, on est content d'avoir une boîte, quelle que soit la manière dont on l'appelle, qu'on lui donne un statut d'espèce ou un statut de groupe, mais qu'on est content d'avoir une boîte pour pouvoir les classer dedans. Alors, moi, Jean-Jacques, je suis tout à fait d'accord avec ce que Céline vient de dire. Je vais vous dire, au risque de paraître un peu provocateur, si les Denisoviens étaient des souris, on n'aurait aucun problème pour leur donner un nom d'espèce latin binominal. D'accord ? Le problème, en fait, c'est qu'il s'agit d'hommes. Et dès qu'il s'agit de diversité humaine, eh bien, plus on se rapproche du présent et plus on a, j'allais dire, des difficultés à manier cette notion d'espèce. Je m'explique. Il suffit de regarder n'importe quelle publication de paléoanthropologie. Enfin, il faut en regarder plusieurs. Si on est familier avec la littérature, vous allez observer un phénomène qui est assez bizarre. C'est que tous les fossiles qui ont plus d'un million d'années, ils ont tous un nom latin, d'accord ? Homo erectus, Homo habilis, Homo rudolfensis, Australopithecus, Africanus, Afarensis, j'en passe et des meilleurs. Donc là, pas de problème. À partir de 500 000 ans, c'est terminé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de nom d'espèce. Ça devient les hommes modernes, les Denisoviens, les Néandertaliens, etc. Et je pense que la distance phénotypique, c'est-à-dire la différence, j'allais dire, anatomique, hein, qu'il y a entre, disons, un Néandertalien et puis un Homo sapiens contemporain, allez, je prends des formes d'il y a 50 000 ans, eh bien, c'est pas, je pense d'ailleurs, ça a été mesuré, hein,
cette différence anatomique, elle est aussi grande, plus grande que celle qu'on observe entre des formes plus anciennes qui, par ailleurs, sont reconnues comme des espèces, enfin, manipulées comme des espèces. Donc, je pense qu'il y a, un problème qui est un problème qu'on pourrait discuter très longtemps, qui est un problème lié à l'histoire, lié à l'épistémologie, lié à des tas d'autres facteurs qui font que, dans le fond, les anthropologues, les généticiens ont une grande difficulté à reconnaître des espèces humaines. C'est-à-dire déjà, enfin, quand on le dit déjà, hein, la notion d'une espèce humaine différente, c'est quelque chose qui heurte une notion qui est profondément enracinée, surtout dans la culture occidentale judéo-chrétienne. C'est l'idée que l'homme, c'est quelque chose d'unique, d'exceptionnel et qui est séparé du reste du monde vivant. Et donc, on a à la fois besoin de séparer les hommes des autres, mais aussi, à partir du moment où on reconnaît n'importe quoi comme un homme, à ce moment-là, on est pris d'un désir d'identité absolument féroce. Et c'est ce qui se passe avec les Néandertaliens. Hein. C'est-à-dire que on les a fait passer d'un côté à l'autre du fossé à un moment donné. Ils étaient là-bas avec les hommes singes. Et puis un jour, on a dit « Ah non, non, ils font des choses très compliquées, ils nous ressemblent beaucoup. » Ils sont de notre côté du fossé. Et à partir de ce moment-là, l'idée même qu'il puisse y avoir une différence, quelle qu'elle soit, entre des Néandertaliens et des Homo sapiens, est devenue quelque chose non seulement difficile à argumenter, mais même qui est combattu, hein, contre d'ailleurs, toute évidence. Donc, il y a là quelque chose qui serait intéressant d'examiner à la lumière de l'histoire et pas seulement de la biologie. Oui, je ne suis pas sûr. Oui, rebondir sur ce que vient de dire Jean-Jacques Hublin, je ne suis pas sûr que le problème soit définitivement réglé pour ce qui est du nombre d'espèces ou de la manière d'interpréter la diversité en termes de nombre d'espèces. Pour du registre fossile très très ancien, si je peux prendre juste un exemple, celui d'Erectus ou celui d'Habilis, il n'existe aujourd'hui aucun consensus sur le nombre d'espèces humaines présentes autour de 2 millions d'années en Eurasie. Et en Afrique, certains vont penser, vont interpréter cette fameuse diversité phénotypique comme étant relevant de la présence d'une seule et même espèce, et d'autres vont très facilement identifier avec les mêmes distances, hein, avec les mêmes caractéristiques, sur les mêmes fossiles, et bien deux, voire trois espèces. Donc, je pense que la passion autour de cette présence d'une ou plusieurs espèces, ou de trois ou quatre espèces, elle est aussi vive qu'elle... pour des périodes très anciennes que pour des périodes récentes. Pour ce qui est de cette manie qu'ont les humains à vouloir absolument tout catégoriser, même au sein de notre propre humanité contemporaine, il suffit de lire les travaux des ethnologues pour découvrir avec stupeur que même quand on appartient à une petite communauté au sein d'une même petite île, eh bien, on a tendance à désigner les membres d'un autre clan comme peut-être les membres d'une humanité différente de la nôtre. Donc ça, c'est une manie hein, que les humains ont depuis fort longtemps. Dès qu'on n'appartient pas à... On désigne les membres d'une autre communauté par autre chose, et pourquoi pas en leur assignant un nom d'espèce différent. Oui, mais il y a peut-être aussi quelque chose comme un biais dans le fait même de la découverte. Qui conduit très souvent certains paléontologues à donner un nom d'espèce à un fossile alors qu'il est finalement le 36e Australopithèque, etc. Parce que c'est plus prestigieux, au fond, de nommer une nouvelle espèce que de simplement accepter qu'elle soit, que le fossile soit dans l'ordre de ce qu'on connaît déjà, non ? Est-ce qu'il n'y a pas oui, ce mouvement oui. En même temps, Céline a mis le doigt sur quelque chose qui est important, hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de mots pour parler des choses. Hein, d'accord ? On ne peut pas juste dire « Ah ben oui, c'est le grand tout, c'est les hommes du passé. » Il faut bien les appeler. D'accord ? Bon, alors, moi, je veux bien qu'on les appelle Denisoviens ou Néandertaliens plutôt que Homo Néandertalensis et Homo Mappaensis. Après, c'est un peu un débat rhétorique. Mais je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que ces identités, elles existent,
C'est-à-dire que on a en Asie un groupe frère des Néandertaliens. Alors appelez-les comme vous voulez, je m'en fiche. Mais on a un groupe frère des Néandertaliens, d'ailleurs qui est beaucoup plus divers et compliqué que ce qu'on a cru au début. Ça, c'est une autre histoire. Mais on a un groupe frère des Néandertaliens. Voilà, ils ont un ancêtre commun il y a environ 450 000 ans. Et puis, cet ensemble-là, il a, avec notre espèce à nous, un ancêtre commun il y a 600 000 ans. Ou... Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important à pouvoir expliquer avec des mots. Et ensuite, encore une fois, le débat pour savoir si est-ce que c'est des vraies espèces, pas des vraies espèces, des espèces en voie de formation déjà formées ou pas tout à fait formées, encore une fois, je crois que c'est un débat un peu rhétorique qui est pollué par des considérations qui ne sont pas des considérations biologiques. Hein. C'est-à-dire le débat sur le statut des Néandertaliens, très très clairement, on a transposé dans la paléoanthropologie des préoccupations sur, disons, les discriminations dans les populations modernes qu'on n'a pas voulu exporter dans la paléanthropologie. Et donc maintenant, on se fait assez facilement taxer de paléo-raciste si on a l'audace de dire « bah oui, un néandertalien, physiquement et même sur le plan comportemental, il n'est pas comme les homo sapiens ». C'est un peu déplorable. Oui, sauf qu'il y a eu, si on regarde l'iconographie des Néandertaliens depuis 150 ans, il y a quand même eu des images qui tiraient beaucoup et sans aucune justification du côté d'une sauvagerie absolue et d'une primitivité absolue. Mais d'accord, mais on n'est plus il y a 100 ans ou 120 ans. On non, c'est sûr, mais il y a une histoire donc, aussi. Oui. Avec l'évidence, et pas se laisser, embobiner par des considérations qui sont des considérations qui n'ont rien d'objectif. Je pense que ce qui est important là, c'est d'arriver à reconnaître une différence sans ajouter une hiérarchie par-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir un groupe qui est différent sans qu'il soit moins humain, parce qu'au final, les Néandertaliens, ils sont aussi humains que nous, ils sont juste humains différemment. Et je pense que la représentation de bestialité qu'on pouvait y avoir il y a une centaine d'années ou un peu plus longtemps, c'était une manière, là, au contraire, d'introduire une hiérarchie. Ils étaient moins humains que nous. Et arriver à accepter cette différence sans hiérarchie, je pense que c'est un sacré enjeu. L'autre aspect que j'aurais peut-être sur cette notion d'espèce dont j'aurais voulu parler, c'est aussi la question, mais qui est très très difficile à envisager quand on parle de restes fossiles, parce que évidemment notre échantillonnage est forcément extrêmement rare, mais c'est de regarder aussi la diversité à l'intérieur des groupes et la diversité entre les groupes, et ça aussi ça aide à définir quel est le niveau de case qui est pertinent. C'est-à-dire que si on a un groupe où on a beaucoup de diversité à l'intérieur, la petite branche qui est à côté, qui est assez différente, on pourra peut-être l'intégrer sans changer fondamentalement l'homogénéité de la catégorie qu'on aura choisie. Alors qu'en revanche, on peut avoir des groupes où on va voir des catégories qui vont être toutes petites, avec beaucoup d'homogénéité à l'intérieur de chacune de ces catégories et beaucoup de différences entre les différentes catégories. Et où là, encore une fois, la manière dont on appliquera la notion d'espèce ou quoi qu'on utilise comme terme pour catégoriser, sera pas vu de la même façon. Donc je pense qu'il y a aussi cette hétérogénéité ou homogénéité intra-groupe qui est à prendre en compte dans cette question. Oui, moi je vous remercie de tous ces éclairages. J'aurais peut-être une question à poser à José Braga à propos de cette cohabitation dont il nous a parlé entre paranthropes et homo, qui semble assez étrange et mystérieuse. Comment est-ce qu'on peut imaginer cette cohabitation? Est-ce qu'il y a aussi, alors je ne sais pas s'il nous a parlé de matériel archéologique ou de formes culturelles qui seraient associées à l'un ou à l'autre ou qui différencieraient ces deux formes? J'avoue qu'il y a là quelque chose d'un peu mystérieux. Oui, alors effectivement, la question de la coexistence ou éventuellement de la cohabitation entre les paranthropes et les tout premiers humains, hein, puisqu'il s'agit bien de tout premiers humains, elle se pose toujours à l'heure actuelle, tant d'un point de vue paléoécologique, on va dire, ou d'un point de vue archéologique, c'est-à-dire en termes d'interprétation des comportements. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que cette présence des paranthropes et des humains, elle est systématique
Dans tous les sites africains où on cherche l'un, on trouve l'autre également. Alors avec cette fameuse asymétrie dont je parlais tout à l'heure et qui est tout à fait étonnante, pourquoi a-t-on découvert tant de vestiges de paranthropes et lorsqu'on en trouve tant, eh bien, on a finalement très très peu d'humains disponibles. Mais pour répondre directement à votre question, Claudine, lorsqu'on trouve dans ces sites des paranthropes et des humains, très souvent, on va trouver des outils. Et pour ce qui est de l'Afrique du Sud, parce qu'on en trouve aussi à l'est de l'Afrique, mais pour ce qui est de l'Afrique du Sud, dans les sites à paranthropes et à humains, on trouve des outils qui sont très très souvent des outils en os. Et on ne sait pas, toujours à l'heure à laquelle nous parlons, si ces outils en os ont été réalisés par les paranthropes ou par les humains. Alors, beaucoup vont nous dire que parce que les paranthropes étaient plus nombreux, eh bien, ce sont les artisans de cette industrie, entre guillemets, en os, mais on ne sait pas, toujours pas à l'heure actuelle, finalement, qui a produit l'un ou si peut-être les deux ont produit ces outils en os. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que très probablement, les deux stratégies en termes d'adaptation étaient très, très différentes. On a d'un côté un humain qui devait avoir une stratégie de reproduction consistant à faire peu de petits, mais à bien s'en occuper parce qu'il se développait pendant longtemps, alors que les paranthropes, eux, avaient ce que l'on appelle des traits d'histoire de vie beaucoup plus caractéristiques de ce que l'on retrouve chez des primates vivants toujours à l'heure actuelle. Et je voudrais poser un peu la même question. Le comportement. Pardon. Merci beaucoup. Je voudrais poser un peu la même question à Jean-Jacques Hublin, à une autre période et sur d'autres hominines. Peut-être la dernière question à propos de la cohabitation entre sapiens et néandertaliens, par exemple au Moyen-Orient. On pense toujours qu'ils ont cohabité pendant une certaine période et qu'ils ont partagé des formes culturelles, des pratiques de sépulture et tout ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pense ce genre de cohabitation et aussi en Europe, comme tu nous as montré, ces différentes formes d'acculturation, est-ce que c'est la même chose qui se passe au Moyen-Orient? On parle de deux choses différentes. C'est-à-dire que les paranthropes et le genre homo, c'est deux solutions différentes à un même problème. Hein. Donc on a des changements environnementaux qui font qu'il y a une montée de l'aridité, des changements de paysage, donc une accessibilité à des sources de nourriture qui est différente. Et donc, on va avoir des lignées qui vont choisir des solutions différentes. Et donc, elles vivent dans le même genre d'environnement. Et dans le fond, elles ne sont pas vraiment en concurrence directe parce qu'elles ont choisi des stratégies différentes. C'est probablement ce qui se passe avec Homo naledi aussi, hein, qui est une espèce de d'okapi qui vit là, dans un petit coin d'Afrique, dans le monde des girafes. Hein, il est probablement adapté à quelque chose, on ne sait pas trop quoi, on pense à quelque chose d'alimentaire, ils ont des traces d'usure dentaire un peu curieuses. Voilà, ils sont sur un créneau où il n'y a pas de concurrence directe avec les autres là-bas qui ont un grand cerveau et qui ne sont peut-être pas forcément toujours gentils. Alors, avec les Néandertaliens et les Homo sapiens au Proche-Orient, c'est une autre affaire parce que les Néandertaliens et les Homo sapiens, eux, ils sont sur le même créneau. Hein. C'est-à-dire, on n'est pas dans des solutions adaptatives complètement différentes. Ce sont des hominines à grand cerveau qui exploitent les ongulés essentiellement, mais d'autres sources de nourriture. Et donc, là, on est plus dans la concurrence. Alors, pour ce qui est du Proche-Orient, pour l'instant, on n'a pas de preuve de coexistence, à petite échelle, de ces groupes. On sait que il y a des Homo sapiens qui sortent d'Afrique et qui viennent dans cette région du monde, mais pour l'instant, soit en passant, hein, quand on dit le Proche-Orient, au nord de, disons, au nord de Nazareth. Il n'y a pas d'Homo sapiens très anciens. Hein. Et puis les Néandertaliens, c'est pareil. Au sud du Mont Carmel, il n'y en a pas non plus. Donc, c'est plutôt une espèce de zone frontière qui se déplace, peut-être en fonction de changements environnementaux, climatiques, que vraiment une grande région où on aurait pendant une grande période les deux groupes qui seraient là tout le temps.
Cela étant dit, cette zone de contact, qui est en fait une zone assez étroite, mais qui se déplace un petit peu, eh bien, c'est une zone où, je pense, hein, probablement, il y a une zone d'hybridation. Et c'est ce qui explique qu'on a, dans le génome des hommes de Néandertal, après 300 000 ans, après 200 000 ans, eh bien, on a un chromosome Y et de l'ADN mitochondrial qui est d'origine africaine. Et ça, le seul moyen d'expliquer ça, c'est qu'il y a un contact quelque part là-bas entre les deux espèces. Et ce chromosome Y et cet ADN mitochondrial importé, si je peux dire, d'Afrique, eh ben, il a un certain succès sélectif qui fait qu'il va remplacer la version ancienne du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial chez les Néandertaliens, même en Europe. Et si je peux me permettre de poser une question à Jean-Jacques Hublin, justement sur cette question, ce métissage avec des anciens sapiens et des anciens Néandertaliens, plutôt côté Levant, Proche-Orient, ou plutôt côté Gibraltar, hein? Non, moi je vois ça plutôt, là-bas, en Israël, hein, voilà. C'est-à-dire, en gros, mon idée, c'est les sapiens, ils sont déjà dans la péninsule arabique il y a au moins 100 000 ans, d'accord ? Et puis là-bas, au nord, il y a des Néandertaliens. Et puis il y a une zone, alors on pourrait élucubrer sur le fait que Israël, le Proche-Orient, ça fait longtemps que c'est un monde partagé entre différents groupes, enfin bref. Donc là, il y a une zone où ils se rencontrent. Et ce qui est vraiment fascinant, enfin moi je trouve que c'est vraiment un vrai problème, hein. Je parlais tout à l'heure ils sont dans la même niche, hein. Ils font pas « moi je mange de l'herbe et toi tu manges des lapins », hein. Ils sont vraiment sur le même créneau. Sur le plan des outillages qu'on trouve au Proche-Orient, on s'est vraiment arraché les cheveux pendant des générations pour essayer d'identifier quel genre de paléolithique moyen les Homo sapiens de Kabzé fabriquaient et quel autre moustérien paléolithique moyen les Néandertaliens fabriquaient. En fait, on peut couper des cheveux en quatre et trouver des différences entre ces sites, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait, du point de vue des industries lithiques, ce que tous ces hommes fabriquent, ça se ressemble drôlement et c'est assez différent de ce qui se fait à la même époque en Europe ou en Afrique du Nord ou ailleurs. Donc, il y a un partage. Et donc, encore une fois, moi, je crois, bagarré avec des collègues pendant à peu près toute ma carrière sur ce thème-là. Mais je pense que ces zones de contact où il y a des échanges géniques ne sont pas forcément des échanges amicaux, hein, mais enfin, il y a des échanges, des flux géniques. C'est aussi des zones où il y a le partage d'innovations techniques qui sont intéressantes et qui passent d'un groupe à l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Et ça s'est produit au Proche-Orient et ça s'est produit en Europe beaucoup plus tard, quand les Homo sapiens sont arrivés. Donc, je pense que c'est assez difficile d'échanger de l'ADN sans jamais rien échanger d'autre. Bien sûr. Alors, on va bientôt s'arrêter et je voudrais vous poser une question à chacun d'entre vous, à tous les trois, puisqu'on a parlé des nouvelles de la paléanthropologie. S'il y avait une découverte future que vous attendez ou que vous espérez, est-ce que vous auriez une idée à formuler? Ah, moi, je peux commencer tout de suite. Si vas-y, Jean. On vous a expliqué que les Denisoviens, avant 2010, on ne savait pas que ça existait. Hein. Alors, en fait, quand je dis qu'on ne savait pas que ça existait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, on a un paquet de fossiles en Asie dont on ne savait pas très bien quoi faire. Et moi, je pense personnellement qu'une grande partie des fossiles qui ont été découverts en Chine, dont on a fait, je ne sais pas trop quoi, des Homo sapiens archaïques, je ne vais pas discuter de ça. Hein. Je pense que c'est des Denisoviens, en fait. Hein. Et nous avons décrit au Tibet une mandibule de Denisoviens, il n'y a pas très longtemps, qui, sur le plan anatomique, ressemble à d'autres fossiles chinois. Alors, ce qu'on sait des Denisoviens maintenant, c'est que c'est le groupe frère des Néandertaliens
Il a été découvert pour la première fois, enfin identifié pour la première fois à Denisova, mais le fait qu'on trouve de l'ADN de Denisovien dans les populations asiatiques actuelles, mais surtout dans les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie, de Mélanésie, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que ces Denisoviens, ils existaient dans le sud de l'Asie et dans le sud-est asiatique, très certainement. Et donc, les Homo sapiens qui ont peuplé l'Australie, ils les ont trouvés sur leur chemin. Et c'est comme ça que les Australiens, les aborigènes australiens, ont de l'ADN Denisovien. Ce qu'on voit de ces lignées Denisoviennes dans le sud de l'Asie, c'est que c'est une histoire assez compliquée. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, les Denisoviens, les Néandertaliens, ils se sont séparés il y a à peu près 450 000 ans. Les Denisoviens du sud, appelons-les comme ça, ils se sont séparés des Denisoviens de Denisova il y a à peu près 300 000 ans. Ça veut dire qu'ils sont peut-être aussi différents ou presque des Denisoviens du nord que ceux-ci sont différents des Néandertaliens. Pour l'instant, on n'a aucun fossile dans le sud de l'Asie, dans le sud-est asiatique, qui nous dit à quoi ressemblaient ces Denisoviens. Moi, si j'ai un vœu à formuler, j'espère que une équipe de chercheurs mettra un jour la main sur les Denisoviens du sud. Très bien. Bah, écoutez, espérons. Alors, José. Oui, alors en quelques mots, je pense que nos auditeurs ont bien compris qu'on avait tous nos petits dadas et nos questions, celles qui nous sont propres. Mais en ce qui me concerne, si j'ai un vœu à formuler, c'est que l'on puisse enfin, au début du XXIe siècle, le plus tôt possible, définir le genre humain. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que c'est ? Et pas seulement Sapiens, Denisova ou je ne sais trop quoi, mais qu'est-ce qui fait que l'humanité est différente non seulement du reste du monde animal aujourd'hui, mais de nos plus proches parents que sont les Australopithèques ou les Paranthropes il y a quelques millions d'années. Et en quoi nous sommes si uniques, nous, si singuliers, nous les humains, par rapport à toute autre forme d'homininé qui a vécu sur Terre au cours de ces derniers millions d'années. Et je pense que on l'a vu, je pense qu'on l'a bien compris, le cerveau n'est pas le critère majeur qui doit nous permettre d'établir une césure entre l'humain et le non-humain, puisque, par exemple, Nalidi, avec son petit cerveau, est humain, malgré tout. On a bien compris que l'outil, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais l'outil précède l'humain, puisque les Australopithèques, plus d'un million d'années avant l'émergence de l'humanité, du genre homo, fabriquaient l'outil. Pour ce qui est de la bipédie, je vous laisse juger, hein, puisque Littlefoot, dont vous avez parlé tout à l'heure, Claudine, était déjà bipède. Et donc aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où on n'a pas encore l'ensemble des caractéristiques qui nous permettent d'établir réellement un portrait robot de ce que sont les premiers humains il y a plus de 2 millions d'années. Pardon. Mais c'est encore un problème de frontières. Absolument. Dont vous nous avez dit qu'ils étaient particulièrement difficiles et parfois même inconsistants. Donc voilà. Oui, parce que la résolution chronologique. On a une résolution chronologique, bien sûr, à 2 millions d'années, qui n'est pas du tout, mais absolument pas du tout, celle dont on parle à propos de Denisova ou de Néandertal. On n'est pas du tout en mesure de raisonner à l'échelle de quelques dizaines de milliers d'années lorsqu'on dépasse cette frontière de 2 millions d'années. On raisonne au mieux à quelques centaines de milliers d'années près. Oui. Alors, Céline, vous avez J'avoue que ces deux questions-là, déjà, sont effectivement des questions qui seront extrêmement intéressantes, et en particulier trouver à quoi ressemblaient les Denisoviens et un lien des fossiles avec à la fois des informations morphologiques et des informations génétiques, ça serait vraiment fantastique. Et moi, il y a plein de questions, hein, évidemment, il y en a énormément, mais une qui me semble extrêmement d'actualité, c'est on a vu qu'on a eu des métissages des Homo sapiens avec les Néandertaliens, avec les Denisoviens en Eurasie. Et dans le génome des populations africaines actuelles, on voit des traces qui pourraient correspondre à des métissages avec des populations archaïques africaines. Et ouais, moi, mon objectif, peut-être, ça serait qu'on trouve des fossiles africains dans lesquels, archaïques, d'autres groupes humains, d'autres espèces humaines dans lesquelles on retrouve de l'ADN qui permettrait d'aller tester cette question de façon plus directe. Mais c'est très peu probable vu la difficile préservation de l'ADN, ou qu'en tout cas, avec les données, avec des statistiques sur ces génomes modernes, on puisse arriver à explorer cette question des métissages avec des espèces archaïques ailleurs qu'en Eurasie. Il faut trouver un Sima de los Huesos en Afrique, une carte de plusieurs centaines de mètres de profondeur avec une température fraîche où on aurait des fossiles. Ouais.
Voilà, tous les rêves des paléontologues. Tous les rêves des paléoanthropologues. Écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné l'actualité fraîche de la recherche et de nous avoir fait aussi espérer, rêver. Voilà, et je vous dis au revoir et puis à bientôt pour la prochaine séance qui aura lieu le 3 mai et qui concernera plus précisément les cultures préhistoriques. Voilà. Merci beaucoup Claudine merci. Cohen pour l'animation de cette séance. Je remercie bien sûr chaleureusement au nom de la Bibliothèque publique d'information nos trois intervenants de ce soir, hein, Céline Bon, José Braga, Jean-Jacques Hublin. Merci en tout cas pour la clarté de vos exposés qui étaient tout à fait passionnants, d'avoir pris le temps de vous adresser à du public lambda comme moi par exemple, et puis de nous avoir montré aussi que vos domaines de recherche étaient encore très vivants et qu'il y avait encore pas mal de questions qui étaient ouvertes dans vos domaines de recherche. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir comment se fait la recherche actuellement. Alors bien sûr, je remercie aussi nos collègues de la régie audiovisuelle et du service communication de la BPI qui ont permis la diffusion de cette rencontre en direct. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver en replay sur la page Facebook de la BPI et dans quelques semaines sur notre web télé ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également voir et revoir sur notre page Facebook la séance d'introduction à ce cycle que nous avons réalisée en dialogue avec Claudine Cohen et qui a été diffusée dès la semaine dernière, le 14 avril. Enfin, pour celles et ceux qui veulent prolonger la thématique, vous pouvez consulter et télécharger sur notre site web bpi.fr une bibliographie sélective d'ouvrages dans laquelle d'ailleurs vous retrouverez notamment les ouvrages des intervenants de ce soir. Le cycle, comme l'a annoncé Claudine Cohen, le cycle se poursuit dans 15 jours, dès le lundi 3 mai à 18h30, toujours en direct de la page Facebook et de la web TV de la BPI, pour cette rencontre intitulée « Quoi de neuf sur les sociétés préhistoriques ?». Nous serons ce soir-là toujours avec Claudine Cohen, ainsi que les archéologues Boris Valentin et Jean-Paul Deloul. La séance sera animée par Romain Pigeot. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.